Yo Skyzo, yo Sylvie du Blade, yo l'univers Amandine, yo ça fait plaisir, Mister, comment tu vas aussi? Comment vous allez les amis? Qu'est-ce que ra vous racontez de beau? Bon, j'avais avancé un peu le stade à Cardette, bah le stade avec Cardette, excusez-moi. Donc ce soir, on va pas avancer le stade, je vais partir pour faire la poste. Yo Thibaut, comment tu vas? Comment tu vas? Yo Team Notif, yo Radio, comment tu vas? Rien, pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Super ta vidéo sur le feu d'artifice. Merci, Maxence. Merci, poto. Elle a déconné la tablette là? Pourquoi elle veut pas? Attendez, j'ai un bug. Voilà, merci, je règle ça. Et je suis à vous. Au passage, on va faire un petit tour. Pourquoi le titre s'appelle Minecraft la poste? Bah parce qu'on va faire la poste. On va faire la poste. La poste, la poste. C'est un truc que j'avais pas fait sur, cette map. Donc je vais le faire ce soir. Je reste pas, désolé. Je fatigue. Je re plus tard. Y a pas de soucis, Thibaut. Prends soin de toi. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. J'avoue trop cool, ok. Salut Flamme, comment tu vas? Yo, bonsoir Miss Yukina. Pourquoi hier j'étais ban à vie? Ah, parce qu'il y en a qui tombent ban à vie et j'ai des bans. J'ai des bans tout à l'heure. Par contre, ça tombe bien que vous êtes plusieurs. Je vais pouvoir vous dire de tous les trucs. Ah, d'accord, il a carrément bugué. Ok. Il a carrément bugué. Yo, le meilleur youtubeur, Angelina, comment tu vas? Charline, coucou. David, yo, c'est qui la mise à jour Fortnite? Alors, qui c'est quand est la mise à jour Fortnite? Je sais pas du tout, poto. J'ai vu ton vlog, merci, merci, Blue. Salut, les... Et là, comment tu vas? Pour être au modo, c'est plus le concours. Non, c'est plus le concours maintenant, c'est par mérite. Par mérite, tout simplement. Rego, comment tu vas, poto? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Rego? Tiens, Rego, tu viens faire un petit Minecraft avec moi, poto? Il était beau, le feu d'artifice. Merci, Flamme. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont mis un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Je dis merci aussi à ceux qui ont mis un petit pouce rouge, hein. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Vu qu'ils laissent pas de commentaires, ces gens-là. Alors, comment tu vas? Je vais super bien, Rigo. Et toi, comment tu vas? Salut, Fantoine. Comment tu vas, poto? Mage Fortnite demain ou jeudi? Merci, Rigo, pour la mage, poto. Je peux jouer avec toi. Fantoine, oui. Bah, rejoins déjà la partie de chat, poto. C'est 10 h pour la mage Fortnite demain. Minecraft pas aujourd'hui. Ah. Ok, bon, bah, dommage. Dommage, dommage. Yo Rainbow. Okay, merci à tous. Tous les deux. Ok, merci. Attends, je vais juste regarder ce bordel là, s'il veut bien arrêter de déconner. Et après, j'ai une petite information pour certains. Bonsoir le soir. Bonsoir Célia. Ok, merci à tous les deux. Bonne nuit demain. Je fais une sortie avec toute ma famille. Ah bah t'as bien raison et profites-en, Amandine. Prends soin de toi. Clément, c'est la personne qui met les pouces rouges. Ouais, il n'y a pas que Clément. Il n'y a pas que Clément, ils sont deux au moins. Alors, tu fais des lives de plus en plus tard, Echou. C'est normal, je change les horaires, mais Sikina. Bonsoir Célia. Oh là là, Gamidge, bienvenue, pour toi que tu sois à vous ou pas. Nickel, j'étais à Paris la semaine dernière, après plus grand festival de France. Donc je vais bien. Ah, ok, bah c'est peut-être du déclaté, Rigou, là-bas. Comment tu vas, Célia? Je vais bien, et toi, Célia? Donc, je vais répéter une petite chose avant de commencer. Juste une petite chose. Alors, je vous explique une petite chose. Alors, tout simplement, je vais donner des noms. Il y a Je suis pas parfaite, il y a Miss Yukina, il y a Célia, il y a Hacker. Je sais que vous êtes les quatre modos chez la team. Donc, je répète une dernière fois. Tous ceux qui sont modos,
ça soit chez la Team PlayStation 3, ça soit chez Yuyu, ça soit chez Zartek, et Lilou en a fait les frais, elle est déjà partie, elle est déjà plus modo chez moi, et je supprime les modos. Voilà, tout simplement, maintenant vous le savez. Donc je préviens juste ces 4 personnes, j'ai pas vu dans le dernier live, je vais vérifier tous les lives de tous ceux qui vont sortir, ça soit la Team comme Zartek, comme Yuyu. Et tous ceux qui seront modo là-bas, je supprime. Voilà. C'est fait. Parce que si vous êtes modo là-bas, vous n'avez pas le temps de passer chez moi. Donc voilà. Bon. Salut Mikado, comment tu vas? C'est bien, bah ouais, moi je sais. T'inquiète. Salut. Haruno Sakura. Bienvenue poto, comment tu vas? Je suis modo chez la team. Je sais. Et c'est pour ça que je préviens que si vous êtes modo chez les autres, il faudra faire un choix avec moi parce que je ne prends pas les modos des autres. Moi je suis jamais sur les lives de la team. Qui a été à un moment, Célia. Miss Bavadir à la team de t'enlever. Haruno, Sanoa, c'est tellement stylé ta map. Merci Astra. Merci Poto. Et bienvenue à toi. Que tu sois à bout ou pas. Yo, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, Mathis. Exactement, j'y suis jamais. Dis Réchou, tu connais Fairy Tail? Ah non, je connais pas Fairy Tail, Poto. Pas du tout. Comment ça se fait? Parce que je t'ai vu. J'ai vu ton nom, tout simplement, je note les noms. Hein. J'ai regardé il y a plus d'une semaine qui était. Donc voilà, je note. Je vois les derniers lives qui sortent. Si vous êtes là encore modo là-bas, je supprime tout simplement. Hein. Vous le savez, je vous prends pas dans le dos comme ça. Vous avez directement les réponses. Alors. Comment ça ta map photo? Merci poto. Ouais, je l'ai avancé, là je vais encore l'avancer, je vais faire la poste maintenant. Et je vais pas tarder, à team à tous. Merci Rigo, merci, je suis désolé, j'ai pas vu ton message. En plus j'ai ma tablette qui bug, j'attends qu'elle marche correctement pour pouvoir débloquer. Mais merci poto. Ah bon, Aruno Sakura, elle ne parle pas. Dislike Arichou. Tu mets des dislikes Arichou, exactement. Salut Asia, c'est Clément. Itachi, c'est le meilleur perso de Naruto. Par contre, Clément, sans être méchant, je sais que tu fais partie de ceux qui dislike. Donc, entre parenthèses, c'est bien sympa de ta part. Mais je préférerais que tu laisses un commentaire pour dire pourquoi tu dislikes au lieu de disliker directement. Et me dis pas que c'est pas toi parce que j'ai pigé le truc en fait. T'es le seul qui est là présent quand le sang ou Viper n'est pas là. Les deux seuls qui aussi dislike avec toi. Donc voilà. C'est bien, monsieur famille, dislike, mais j'ai mis un like. Mes modos, je dislike pas, bon j'y vais, au passage. Je suis Oka, je sais que c'est toi Oka. Je sais, mais maintenant vu que t'as changé de nom. C'est faux, normalement je lui ai dit que je voulais pas être modo chez lui. Ah, mais j'ai rien dislike. Je like quand j'y pense, c'est pas moi. Si, c'était toi hier. 9 dislikes, et je dis Clément, out, 5 dislikes qu'on sautait. C'est quand même bizarre. Ils sont pas sautés tout seuls, ils sont pas allés à la mer tout seuls. Donc après, soyez honnêtes, hein. Je préfère quelqu'un qui est franc que quelqu'un qui est pas franc. Et à partir de maintenant, de toute façon, si j'ai des dislikes sur la chaîne, je ne ferai plus de gagner de cadeaux à personne. Vous punirez tout le monde. Ce qui est bien dommage. Je peux venir t'aider sur Minecraft. Manière que tu peux venir, photo. Il y a des gens en chat. Salut Réchou, à demain, il n'y a pas de soucis, Sylvie. Maxence, tu m'énerves avec ce nom. C'est plus facile, dans l'autre sens. Bon, là c'est bon. Comme par hasard, déjà 2 dislikes sur cette chaîne, sur ce live. C'est bizarre tout ça. Réchou, ça peut être ProMat qui a dislike. Ah, ça peut être ProMat, mais de toute façon, tout simplement, il punit les autres. À partir de maintenant, c'est comme ça. Map Minecraft, mais c'est pas moi. Salut mon coco. Comment tu vas, Andy? Bienvenue, poto. Salut Réchou. Salut Nazos. Comment tu vas? J'étais même pas là. Réchou, je peux être dans ta team. S'il te plaît, je serai actif. Ah, merci Skyzo. Merci, poto. Mais oui, tu peux. Hein. Je parlais à ma meuf, je ne sais pas. Quoi dire, coucou Zafir, comment tu vas? Mais j'ai liké Haruno, c'est qui? C'est la meuf de... bien et toi? Ça va super bien moi. Salut Baz, comment tu vas? Allez Tia, c'est Clément, ok. Donc, à partir de maintenant, ça sera comme ça. Si je vois des dislikes sur mes chaînes, je punis tout le monde. Malheureusement, je serai obligé. Ce qui me vexe un peu parce que j'estime qu'il y en a qui ne le méritent pas. Mais bon, en cadeau, je vais faire pareil. Je vais être obligé parce que j'ai pas une vidéo sans un dislike.
Donc c'est ce qui me bloque obligatoirement pour monter, hein. Ça c'est comme tout, donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais oui, mais c'est qui ce meuf? T'as toujours une qualité de micro pourri, tu vas le changer. Le micro, non, il est neuf, donc non. Par contre, si t'as une mauvaise qualité, c'est peut-être plutôt de ton côté, poteau. Par contre, c'est quoi le bail, genre, les gens... Mais la vidéo, on n'est pas obligé d'aimer. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, si tu mets un dislike avec un commentaire, Célia, ça me passe à l'aise. Mais un commentaire, quand même. Là, il n'y a aucun commentaire. La personne vient juste pour... Voilà, quoi. Hey, Chou, t'as passé une bonne nuit. Oui, j'ai passé une très bonne nuit. Merci, merci. Camille, tu connais pas, tu gères, en tout cas. Merci, Skyzo. Mais, ouais, je t'entends, t'inquiète, poto. Je suis à toi dans 2 minutes. Alors, moi, ok, c'était une question. Est-ce que ça se passe bien? Avec le sang, bah ouais, t'inquiète pas, je t'ai répondu, Zatanel, y'a pas de soucis, hein. On n'est pas obligé d'aimer comme certains pour Naruto. Salut Angelina, ça va? Salut Zagga. J'ai jamais dit ça, en fait, je vous avais pas compris. C'est tout simplement, c'est pas une question de pas d'aimer ou pas aimer. C'est tout simplement dans le sens où tu mets un commentaire pour expliquer pourquoi tu n'aimes pas. Moi, ça me va. Ça me va. Ça s'appelle de la logique. Mais tu mets pas de commentaire et tu dislikes. Ça s'appelle pas logique. Ça s'appelle juste tout simplement vouloir emmerder le youtubeur. Un truc que moi je fais pas chez les autres. Donc voilà quoi. Entre parenthèses. Voilà. Je joue aussi normalement, tu vois. C'est normal, c'est cadeau cadeau. Une bonne journée. Oui, j'ai passé une très bonne journée, Angelina. Tu vas faire quoi sur Minecraft? La poste, si je peux. Car moi, il fait très chaud, 30 degrés, bâtir ok, yo tout le monde, vous allez bien, ça va bien la Team Vector et toi? Bah au moins, tu sais qu'il y en a qui aiment pas les lives. Par exemple, ici, il y a beaucoup de dislikes sur un live Minecraft, c'est qu'ils n'aiment pas. Exactement, je suis tout à fait d'accord, Célia. Mais avec un bon commentaire, c'est quand même mieux et c'est plus sympathique. Moi, si j'aime pas quelque chose, je le dis. Par exemple, regarde, un truc tout con, tu vois, là, je vous ai dit quoi avant d'arriver? J'ai dit, tous ceux qui sont modos chez les autres, que ce soit la team, tout ça, je supprime par rapport aux modos de chez moi. Ce qui est logique, tu vois. Je donne un commentaire, j'explique pourquoi. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas actif à 100% sur le mien. Voilà, tout simplement. J'ai liké, j'ai mal au cou, bordel. Zafir, bonsoir, et j'ai trop chaud, tranquille, et moi, j'ai 8 abos. Yo, il fait chaud, c'est vrai. Yo, hacker, comment tu vas, poto? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Paolo? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Laetitia? Comment tu vas? J'en ai marre de ne pas voir que tu live. Ah, désolé, Paolo. Ça, tu as une pub? As-tu un ventilateur? Miss, yo, ça va tranquille. Il faut enquêter sur qui il y a dislike. Non, non, je vais pas enquêter, moi. Vous avez des conseils, car j'ai mal au cou, s'il vous plaît. Ben, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'une fois, j'avais un torticolis. J'étais gardien de foot dans un tournoi. Et je peux te dire que j'ai commencé très tôt le matin à arrêter les ballons. Et en fin de journée, je n'avais plus rien. Tout allait bien. Alors, il s'est bien passé ta journée, Angelina. Tu peux faire des Minecraft pour nous montrer. Oui, ma sauce. Oui, poto. Oui, tiens, je te fais un petit tour si tu veux. Alors, Mister, il a droit d'aimer celui qui a disliké. Et toi, Céline, le droit d'affirmer avec vous. Mais Réchou, toi, tu peux voir ou pas les dislikes? Personne ne peut les voir. Personne ne peut les voir. On peut pas voir qui dislike. Ouais. Tu peux m'inviter? Ouais, je vais t'inviter. Je réponds au dernier message et je t'invite. Ce que tu fais prendre. Son da 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 da. Juste 2 secondes, les amis, je vais inviter et j'arrive. Honor, yo poto, j'espère que tu vas bien. Désolé si je t'avais pas vu. Oh, attendez, je me trompe de bouton. Alors. Faut que je retrouve comment ça fonctionne, c'est bien. Inviter les amis, paf. Oups. Quand il veut, ouais, tiens, c'est bon, Magnat. C'est bon pour toi, ça arrive. Tu me diras si tu l'as reçu? Ouais, c'est bon. Eh ben voilà. Tout va aller bien alors. Allez, on est parti, on est parti. Allô, Réchou, tu sais très bien, oui, que c'est pas moi, comment j'aide les gens.
Ah bah ça après moi j'essaye d'aider les gens mais bon c'est très compliqué parce que je peux pas tout accepter tu vois c'est logique d'un côté c'est assez logique on sait pas car j'ai ultra mal au cou c'est pas un ventilateur là 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 bon je vais reprendre les messages à fond comment va Marla le sang les tiges la belle même les vents pas de majuscule merci salut Clément Réchou, deux dislikes les kikous oui ça va et toi le sang ouais après c'est comme ça hein. Après c'est dommage parce que ça va punir les autres les dislikes tout simplement je suis obligé parce qu'obligatoirement les personnes qui dislikent c'est pas des personnes anodines hein. C'est pas des nouvelles personnes c'est des personnes tout simplement qui suivent le live en ce moment. Des personnes qui me connaissent, des personnes qui osent me dire bonjour et qui dislike derrière sans donner une bonne raison. C'est là que c'est plus vexant. C'est là que vous vous rendez pas compte. Je pense. Angelina, t'es là, bonsoir Honor, c'est bien, pose ta tête sur un coussin, Mikado, Costos, bonsoir, oui, c'est bien, salut. Kaizo, il a le droit de ne pas aimer. Ils ont le droit de pas aimer. Ouais, ils ont le droit de pas aimer. On dit pas qu'ils ont pas le droit. Si. On dit pas qu'ils ont pas le droit. Moi, je dis pas qu'ils ont pas le droit. Je dis juste que, tout simplement, un commentaire avec, ça prend 2 minutes. Je sais pas. Imagine, je sais pas, tu peux dire, bah, je dislike, je suis désolé, poto, je dislike parce que j'aime pas Minecraft. Hein. Toi. C'est tout à fait logique. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. On va pas te forcer. Bon après, t'es pas non plus obligé de disliker parce que t'aimes pas Minecraft. Hein. Tu peux juste tout simplement dire j'aime pas Minecraft. Désolé, je m'en vais. Voilà quoi. Ça prend 2 minutes. C'est comme ta télévision. Tu changes de chaîne. Quand y a un film qui passe à la télé, si t'aimes pas, tu changes. Hein. Voilà quoi. Tu vas regarder autre chose. Salut, c'est Lire, repose-toi. Attention. Un Blue. Un Zeko, comment tu vas, poto, casser un compte de beau. Marla, comment tu vas? C'est ton âge. Salut, Mina. Yo, Costo, c'est un conseil ou pas? Car j'ai mal au cou de ouf. Costo, j'ai mis Snap. Oui, dessin, Kaizo, un avertissement pour mage, ma belle. Là, bah moi j'ai un conseil pour toi, Célia, mais bon, je pense que tu vas pas le prendre parce que tout simplement tu vas dire, ouais, mais Réchou, de toute façon, je t'écoute pas parce que toi, tes conseils, ils sont pourris. Alors, bon. C'est là. Ou alors je te le donne si tu veux, hein. C'est comme tu veux. C'est là. Rien que toi, Clément, c'est quoi ton Insta, Marla, à qui tu parles? C'est qui sont sur Xbox Note 1. Note 1. Rien que toi, bah rien du tout, Zeko, tranquille moi. J'ai sorti un petit vlog, j'espère que vous l'avez regardé au moins, que ça vous a plu. Bon, j'ai vu qu'il y en a, ça leur a pas plu, vu qu'ils ont disliké sans mettre un commentaire. Donc ça peut pas leur plaire, ça c'est obligatoire. Je suis en train de... Ouais. Après, tu vas faire un... Tu viens sur Fortnite. Non, je reste sur Minecraft, poto. Je change de jeu tous les soirs. J'attends Et du coup, t'as fait quoi? la troisième partie pour la semaine 3 pour aller sur Fortnite. Ah. Demain, Tout tu vas sur simplement. quoi? Hein? Demain, tu vas sur... tu viens sur quoi? Eh ben je sais pas encore, je verrai. J'ai un jeu à télécharger, je télécharge cette nuit. C'est quoi le jeu? Un jeu. Je donne pas plus Mais d'indications. pourquoi? Bah, je donne pas plus d'indications, tu verras demain. Voilà, tout simplement. Vas-y, comme ça, je joue avec toi. Là, je vais me mettre là, moi, pour faire mon machin. Alors, Pas là-bas. oups, j'ai oublié de te voir, j'irai la Arrête. suite. Tu peux aussi ne pas aimer le jeu, mais aimer comment le youtubeur, je joue. Ceux qui mettent des dislikes sans commentaire, ça sert à rien, car le youtubeur peut pas apprendre de ses erreurs. Exactement, Nasos, c'est exactement ça, en fait. Exactement. Un dislike, je veux bien, mais avec un commentaire, c'est mieux. Ça permet de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Ah bah non, désolé, moi j'ai regardé ton vlog et j'ai mis un like et un commentaire, je suis malade, je crois Réchou, il va mieux, ta fille, ouais elle va mieux, beaucoup mieux même. Beaucoup beaucoup mieux, je l'ai emmenée même à la plage aujourd'hui. Elle est grande ta ville, merci Flamme. Tu as quoi au nord, non. Mec, hier j'avais 156 abos et là je suis à 300. Je suis trop content, bah bravo poto. Je sais pas, j'ai mal à la gorge et derrière les yeux. Ah, bah toi t'as une angine. Nasos, bah non, tu peux mettre un dislike car tu n'aimes pas le jeu et ne pas mettre de commentaires. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui va mettre un com. Bah c'est quand même mieux, Célia. Dans le sens, Célia, c'est quand même mieux de mettre un commentaire. Ça explique aux youtubeurs ce que t'aimes et ce que tu n'aimes pas. Ça s'appelle juste un petit peu la logique. Parce que si tu mets pas ça, si tu fais pas ça, il ne peut pas savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas.
Après, si tu vas sur toutes les chaînes pour disliker le mec, c'est que ça sert à rien, hein. C'est que tes dislikes sont pourris, hein. J'écoute ton conseil pour un coup de vieillard. Ah, bah alors tout simplement un peu de sport au lit pourrait améliorer ton mal de cou, Célia. Voilà. C'était un conseil d'ami. Donne un conseil à Chou pour pas avoir mal au cou. Ah bah je viens de lui donner. Voilà. Alors, Ken, bienvenue pour toi que tu sois à Boba. Je suis là à la cité. Bon, c'est cool, un petit peu, je crois, enfin. Gone, ça me donne un snap, pas c'est lié, je vois. Mais si tu mets un dislike sans dire que tu t'aimes, là, personnellement, le youtubeur ne va pas deviner ce que t'aimes. Exactement, moi, perso, j'aime bien Minecraft. Non, je déconne pas, car je fais pas de pub, je respecte. Ben, merci, Skyzo. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Non, non, Zafir, faut pas supprimer ce qu'a mis Costos. Bien au contraire, s'il veut être modo, il faut obligatoirement qu'il s'améliore là-dessus, parce que voilà, c'est y a que comme ça qu'ils vont devenir modo. Donc faut pas supprimer, pas trop. Allez, c'est parti. On va prendre du blanc. Il faut du blanc. Pof, pof. C'est moi, tout. De quoi? Ah, je suis tout au bout. Et Tu où? sais, vers le... mon terrain de foot avec Kardec. Tu vois ou pas? Non. Vers le circuit de Formule 1. Attends, j'ai vu ça. J'ai vu. Et bah après tu J'ai remontes, vu. t'as un grand terrain rouge et bleu, rouge et gris à côté, et puis je suis juste derrière. Non je déconne, pas depuis depuis 5 ans je connais Minecraft. Ah alors moi je dislike car je kifferais Chou. Merci Honor. Et Chou Miss, elle peut me donner son snap, mais au moins tu dislikes pour une bonne chose, c'est sympa. Arrête, c'est pas drôle. Skyzone 2 saison pour mage. Pardon Skyzo. J'aime bien ton vlog, Chou. Merci Angelina. Merci, merci. Tu m'ajoutes ou pas, Angelina? Donc non, mais ça je voulais vraiment vous le présenter, le vlog. Parce que tout simplement, c'est vraiment un petit village. C'est un petit village qui met une tonne d'argent pour attirer du monde. Juste à ce moment-là. Donc voilà quoi, je voulais vraiment vous le faire partager à votre famille, à vos parents, tout ça. Si un jour il passe dans le coin, allez le voir, ça vaut le coup. En plus, il y a une jolie fête à côté et tout, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Ils font un repas, une buvette et tout. Il y a même un tournoi de pétanque la journée. Si si, allez voir, il y a une animation pompier. Ça vaut le coup, c'est pas mal. Si vous passez un des 4 en vacances par ici, allez y voir avec vos proches. Alors, vas-y, trop mal à la tête et le petit dislike, bien sûr. Vas-y, bonne nuit, merci, Honor, et bonne soirée à toi, merci d'être passé, Pato. Je vous demandais, Modo, un à cause des couilles. Bah, tiens, j'ai pas reçu ta demande, ici, on a regardé le live de Richou et on a pas sur un site de rencontre, d'activer flamme de soleil ardent. Putain, je dois tenir. Les gars, du live. Par contre, Célia. Bon, Célia, t'essayeras ma tactique et tu me diras si ça marche. Yo, poto, comment tu vas, Goumi? Bon, attends. Je vais tracer là, moi. Ah non, il n'y a pas de Fortnite ce soir. Ce soir, je fais que du Minecraft. Suis désolé. Mec, Ok, là bah je suis bonne au terrain soirée, de hein. foot. Merci poto. Ah bah je suis juste à côté, regarde, je suis à côté de la prison. J'ai gros terrain de foot avec du rouge, du Attends, tu moto, du vert. te... Il va se Du vert tromper, rouge. mon Mec. ami. D'accord, t'es pas au bon. Alors, Réchou demain, tu likes sur quoi? Je ne sais pas du tout, j'ai un jeu à télécharger, je sais pas. Je veux pas dire le titre, parce que voilà, quoi. Mais, bon, je vous donne un petit indice, c'est sur, encore sur du Naruto. Voilà. Zafir Kenpume, salut alors, tu as changé sur la suppression du compte. Alors, tu as changé sur la suppression du compte. David. Quel compte, poto? Tu construis quoi, Réchou? Il n'y a que de rôle du genre le chat. Pas de liker, partager aussi. Le plus important de vous abonner à la chaîne de Réchou, s'il vous plaît. Ah, mon correcteur qui me troll. Mais sont comme, je remisse. Bon, bah, personne n'est drôle sur le chat rip. Bah, si, je t'ai sorti une blague, mais t'en as rien à foutre. Donc, c'est pas pareil. Bon, t'es sur lequel? T'es sur celui-là, toi, non?
Attends, t'es où? Ah, t'es là! Regarde, regarde, Ah tu me vois là? Allez, viens! ouais. Tout droit! Là-bas! Ouais, je dis ça pour aller plus vite. On va au deuxième là-bas! Alors, as-tu changé d'avis pour supprimer ta chaîne? Bah, j'ai pas changé d'avis, les abonnés m'ont demandé de pas la supprimer. Tout simplement, Freeze. C'est où? De rester comme j'étais, et même si ça plaisait pas aux autres, c'était pas grave. Là! Tu vois le Ah, carré blanc ok. là? Là, je vais faire la poste Ouais. là-dedans. Allô, Ranjime, ton cousin a joué Snowbreaker en même temps que toi hier et ça a marché. Mais là, coup de bol, hein, parce que moi ça a pas marché et ça me saoule. S'affirme, j'ai trop beau. Échoué, le meilleur youtubeur, merci Kaizo. J'ai une blague d'histoire de bleu qui se parle et un dit bleu et l'autre dit toi aussi. N'importe quoi, c'est bon, génial. Échoué, j'ai vu les horaires de la bêta de Naruto Boruto, je joue Striker le 27. Du jusqu'au 28 à 8, c'est ouvert Shinobi Striker, donc voilà, info sûre. Merci Célia. Oui, Bakti, en Mandami, Sanjaya, vers quelle heure il a joué à Shinobi Striker, ton cousin? J'ai reçu un notif. Réchou, tu peux me répondre, s'il te plaît, à quelle question? À quelle question, quelle question, quelle question j'ai loupé? J'ai pas reçu ta question, Zafir. Bon, d'ailleurs, Blue, oui, donc c'est ce que je demandais. Après, j'aimerais que tu testes avec moi War Thunder. PlayStation 4 qui est gratuit et si possible. War Thunder, c'est le jeu d'avion, ça. Si je me trompe pas, poto. Et si c'est le jeu d'avion, je ne joue pas à War Thunder. C'est pas que ça me plaît pas, mais déjà, les jeux d'avion, j'ai un gros problème avec, c'est que eux, ils ne m'aiment pas. Chaque fois que j'ai un avion dans les mains, je me casse la gueule avec. C'est pour ça que c'est le seul jeu que je ne joue jamais, parce que même sur BF, j'arrive encore à me casser la gueule avec les appareils qui sont plus faciles qu'autre chose. Alors, Esquimis, peux-tu me donner son snap, s'il te plaît, Relabella, hier vers 22h30, 23h, et là aujourd'hui à 18h30. Est-ce que Relabella, avion, tank, bateau? Avion, tank, ah, tank, ça me va mieux, ah, tank, ça irait mieux. Pourquoi pas Freeze, on pourrait se faire un petit, si elle est tank, ouais, pourquoi pas. Les bateaux, ouais, je dis pas, peut-être. Oh, non, 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 attends, 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 trace pas du blanc, trace pas du blanc. Non, non, il n'y a que le bas, je vais laisser en blanc. Je vais faire le haut tout en jaune en fait. J'ai pris un jaune béton. Et un bleu béton. Pour faire le logo. T'as compris? Mais déjà, faudra tracer la porte aussi. Au milieu. Toi, du jaune béton comme ça. Bon, en plus, il dit jaune, mais je le trouve bien orangé, moi, pour un jaune. C'est bon. Allô, Sindel la vie pucelle, viens please. Ah, bah, elle va venir, elle va venir. C'est une blague, en général, impossible, c'était fermé quand il a joué. Allô, Costos, souviens-toi, bien tranquille. BF, rien à voir sur War Thunder, c'est un jeu d'entraînement à pilote, et tu as le pilotage auto, trois modes réalistes, arcade, après simulation, tu dois être écrasé. Ouais, mais moi, je suis nul en avion, poto. Tu peux me donner n'importe quel appareil d'avion, je me casse la gueule avec. Donc, je suis vraiment une merde en avion, en fait. Tu le dis, mais tu réponds pas à ma question. Est-ce que tu peux donner son snap? Miss peut donner son snap. Mais j'ai pas lu ton message, Zafir. Jackie, qu'est-ce qu'il a raconté, Jackie? C'est le numéro portable de quel youtubeur? Je l'ai trouvé sur un forum. Bah, tu l'essayes et tu l'appelles, poteau, tu verras. La surprise sera totale. Car il y a trop de touches. Il y a deux flammes qui flamme et l'autre dit moi aussi. C'est bien fait une incantation pour faire venir. Ça marcherait peut-être. Sukinate. Bonjour et tu me parles. Ben ce qui nous dit aujourd'hui, c'est l'histoire de Batien. Coucou, ça fait longtemps. Luna, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait plaisir de te voir. Costaud, si c'est fait ban. Qu'est-ce que t'as fait à ce costaud sans... Ouais, je t'écoute, hein, vas-y. Hein. Vas-y, on va monter sur 3-4 étages comme ça. Hein. De toute façon, on va faire jaune. Jaune, ok. Ouais, je le Je laisse t'ai jaune. donné des Vas-y, pars de l'autre côté, je poids pense. de vitesse. Je t'ai donné des Ouais, idées mais de je les poids de vitesse. j'utilise pas, moi. Je m'en fous, parce que je les comme en même temps, donc c'est compliqué. Bren Gamer, bienvenue, poto, que tu sois beau ou pas. Non, Minecraft. Si, Minecraft, poto. Minecraft.
Excellent Minecraft. Moi j'adore Minecraft. La prise en main est simple, après tu peux la tourelle, pas au pilotage, au pire. Go tank. Ouais, bah, moi c'est plus Go tank, poto. Si tu veux pas me voir m'écraser toutes les 2 minutes. Tu me l'as pas dit non plus, Célia. Quoi, Blue, costaud, tu vas te calmer. Blue, ce qui nous attend tout à l'heure. Hop, hein, ça va et toi? Ça va super bien, Luna, et toi? Qu'est-ce que tu racontes de beau à part ça? Bien les vacances, j'espère. Il est joli ta map. Merci, Skyzo. T'es you, connard. You, comment tu vas, poto? Hier, je te l'avais dit, mais toi non. Tu fais quoi, Réchou? On fait la poste. Tu sais la poste? Celui qui t'emmène ton courrier le matin. Hop. Hop. Alors, moi, bof, c'est qui n'a... Ok, Miss, tu mettras un com pour un snap. Je vais voir les LPS de mes rêves. Et toi? Avoir les LPS de mes rêves. Ah, je vois pas ce que tu veux dire en LPS, en fait. Après, c'est peut-être moi qui est trop vieux, hein, je plaisante. Mais non, je vois pas ce que tu veux dire, en fait. Et moi, bah tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Juste un truc perso. Émilie, c'est ça, Youyou. C'est ça, Youyou. Ok. Mais le problème, c'est que le temps qui c'est trop réel. Genre une chenille abîmée, t'avances moins et tu tournes moins, même canon abîmé, ça risque de te péter à la guerre. Ah bah ouais, mais moi je préfère toi. Toi, moi c'est plus tank, plus encore bateau, mais beaucoup moins avion. Oh, là je suis en avion, pauvre, c'est chou. Mais je me laisse tomber, tu vas pas me mettre pilote, tu vas me mettre tireur, mais pas pilote, poteau, c'est pas possible. Non mais je pense que c'est bien. Non, je pense que c'est bien, je pense qu'il faut fermer là, là-dessus. On est pas mal comme ça. Par contre, je sais pas comment on fermera au-dessus. Attends, laisse comme ça que je réfléchisse un peu, qu'on fasse un truc un peu stylé, tu vois. Par contre, il faut là faire des trous là sur les côtés. Faut en faire au moins deux, tu vois, là. Au moins jusqu'ici et on ferme là, tu vois. Comme ça? Non, non, des trous, tu sais, comme pour des portes pour en faire rentrer les véhicules, tu sais. Alors, je vais reprendre les messages. Bon, alors, bonsoir, Célia. Moi, comment tu vas? Ok. LPS, Pet Shop, je crois. Pet Shop. Ok. You, Céline. Sukina, ouais, c'est ouf. Sky, bonsoir. Bateau, faut payer 3. J'ai pas vu. Bonsoir, connard, comment tu vas? Non, c'est pas connard, il s'appelle Yuyu. Je regarde ton vlog, merci Skyzo. Salut, bon ben là, coucou. Sky, ça va? Les LPS, c'est des petits animaux, tu peux jouer avec, tu peux les voir à quoi ça ressemble sur ma photo de profil ou sur ma chaîne. Ah ben non, photo de profil, je peux pas. Parce que pour moi, il est trop petit. Il faudrait que je clique dessus pour que ça l'agrandisse. Bye. Ben, ça me ferait déconner le bordel. Mec, te ban, j'insulterai chou. Quoi, Angelina? Bien costaud, sinon je me ce qui n'a chez moi il y a 48 degrés, 16 heures environ, aïe. Non. Bon allez, on est parti. Oh, pourquoi t'as fait comme ça? Non, non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il a pas compris. T'as pas compris, t'as pas compris. Regarde là. Alzarco? T'as pas compris. Non. Il a pas compris. Il a pas compris. Ah, il va quoi, en fait? T'as compris là? Des portes pour les véhicules. De la poste. T'as compris ou pas? Alors, je suis à Atamé, en Algérie. En Algérie? Wow. Surtout les dislikes. Est-ce qu'il veut se faire remarquer? Moi, sinon, ça va. Ça va toujours bien. Vent. Pourquoi vent, costose? Attends, il y a une embrouille, je re... Aïe. T'habites dans quelle misère? C'est un mytho. Il en reste.
Mais dis pas ça, tranquille, tu passes un bon live. Ça, c'est cool. Je dois aller me coucher. Dans 25 minutes, papa, je vais te bouffer. Non, il y a zéro remarque. En fait, PDL, je suis en vacances. T'as smelt. Après, de bouillera. Évite de faire la folle. Ah non, pas d'embrouille, en fait. Rip, qui, moi, qui me fait remarquer le mytho. Et non, 47 degrés, tu meurs pas. C'est rare, mais tu peux... Ah non, moi je crève direct. Hein. Ouah, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi cette merde? Oh, tu m'as fait freeze. Oui, oui. Normal. C'était ça le but. Ouais. Et bah tu sais, tu vas te faire sortir. Non. Mamiat, tu vas aller faire un petit tour dehors? Non. La porte est ouverte. C'est quoi? En plus, il comprend rien. Il comprend rien. On lui dit deux portes, il m'en fait trois. Ah, il faut aller mettre deux. D'accord. Il a rien compris. Il a rien compris. Il a rien compris. Réchu, j'ai besoin d'elle. Toi qui es galant. Ah, en quoi? Freeze en face de main, si tu es mis à mytho, bâtir le nuage, tu as un problème, Freeze. Sur internet, ça vient, non, pas pour l'instant. Ok. Cette semaine, c'est la plus chaude, car 40 degrés. Maximum pour la semaine. Regarde la vidéo de la mine, 47 degrés au Canada. Bon. Moi, je vais pas regarder le nombre de degrés au Canada. Parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Et voilà. Regarde ce que tu fais. Là, tu mets... Comme ça. Merci, Magnette. Pourquoi? Oh, Magnette. Ouais. Quoi? Ok. Pauline, coucou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes beau? Moi, 43 degrés, à plus 47. Freeze au pire, c'est dans les couilles. Avec moi, modo, c'est au Canada, c'est en Australie. Je peux être modo. Ça sert à rien de demander, tout simplement, c'est par mérite, de être modo. Donc, il faut être souvent sous le live, il faut le mériter, il faut savoir qu'on en veut pour être modo, tout simplement. Et c'est tous les 100 que j'en choisis 5. Canada en Amérique, flamme, c'est pas Canada, bactérie, machin, une blague, c'est, alors, c'est bien, insulte. Ok. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Magnette? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi pas fort. Hein? C'est toi pas fort. Je te dis qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Direct tu jouis. Quoi? Tu mais gueules. Oui, il y a mon frère qui arrête de manger. Mais lui une tarte. Salut TG, c'est ton grand frère. Fritz, tu veux dire 500 secondes, celui qui n'a mais j'ai trop de seum, qui a une meuf, tu, si tu veux, je tu seras. Alors, si tu veux, tu seras juste démote. Comment on fait pour participer au tirage au sort, Réchou? Il n'y a plus de tirage au sort, c'est par tout simplement ceux qui le méritent d'être tirés. Il n'y a plus de tirage au sort à partir de maintenant. C'est que par mérite. Et bien sûr, il y en a déjà qui ont déjà perdu leur place modo, donc je préfère le dire. Hein. Que ça soit Clashou, que ça soit tout simplement Lilou. Voilà quoi. N'oublie pas d'insulter, demandez modo ban. Riz, t'es sur quoi? Ah, la vie, c'est une IA, c'est qui n'a, mais bon, toutes les meufs, les matins. Hein. Ok, moi, est-ce que je le mérite, moi? Ah, blablou, je sais pas, poteau, hein. Il va falloir faire voir tout ça.
Rascaille le connard. Arrête, Célia. Pas d'insulte non plus. Ouais, il m'en a mis un coup, et sans faire exprès, il m'a mis un coup de. Je suis sûr en plus c'était même pas pour moi qui voulait le balancer le machin. Non, c'est pour moi. Il se trouve chemin alors. Ah, j'ai l'impression d'avoir bu de la potion magique, tu sais, comme dans Obélix, hein, ça. Là, tu super fort. Ouais. Tu vas soulever le terrain de foot. Ouais, bah ouais, il manquerait plus que ça, tu sais. Ah, mon perso, il est un peu fatigué, il a plus de potion magique. Tiens. Attends. Voilà. Là, tu vois, on dirait un égyptien. Bon, c'est pas trop mal. Alors, bon, retour. Ah, lol. Pas moi, car il y a trop de filles, j'ai jamais dit ça, plus ici, quand. Mais comment on fait pour le mériter, Réchou? Pour être modo. Bah, faut être souvent sur les lives, tout simplement. Il faut faire voir qu'on a envie d'être modo. Il faut, bah voilà quoi. Tout simplement. c'est surtout du mérite, donc voilà quoi. Si je dis par exemple on raid quelqu'un, on le raid. Et il faudra être là. Tout simplement. C'est bien, tu aimes bien l'attaque des titans. C'est calme ce soir. Ouais, c'est calme. Bonsoir. Comment tu vas, Geeker? Dupe-tête, Réchou, je reviendrai quand tu auras des modes Célia, je refuse de rester sur ce live où des modos provoquent et bannent pour s'amuser. Ah, elle t'a... Comment ça, elle t'a ban? J'ai pas vu une fois que t'as été ban. Mais je peux pas démoter quelqu'un, il faut qu'il le mérite pour être démoté, poté. Ça marche pas comme ça, c'est logique. Mais il faut que tu sois actif, que tu aimes Naruto. Non, Naruto, on s'en fout. Nous, non, je regarde pas. Bah, tire, tu sais, de la pub de Réchou. Non, elle partage ses réseaux sociaux. Merci, Misukina. Bien, toi, dupe, step, faut pas me chercher. On m'appelle Célia la fragile dans la game Rage pas. Itachi est le meilleur perso. Non, c'est mon Sky. Ok, Sky. Ben, Sky. Tout simplement, tu sais tout. Tu sais déjà tout, poteau. Salut Geeker, salut les Asada. Moi, Whiskey, sans ton français, Célia, je connais pas Itachi, c'est qui? Est-ce vrai ceci, Misukina? Mais de toute façon, je vais pas la démote, Célia. Célia m'a fait la demande pour être modo. C'est bien ce que tu voulais, Célia, au fait. Bon, poteau, si tu veux, je te trouve un truc à t'occuper, si tu veux. Faut faire tout le parquet en blanc. Tu connais l'appel cheat? De quoi? L'appel cheat pour te péter. L'appel cheat? Ouais. Pff, ah non. Tu la connais ou quoi? Non. Ah. Après tu pourras supprendre ton survie un peu. Ah non, je fais pas de survie moi. Non, je fais pas de survie, gars. Mais non, tu me mets en survie pour tout péter avec la pub cheat. Non, je fais pas de survie. Je regarde parfois, j'ai vu quelques épisodes du step. Non, j'ai 8 ans, pas de 8, 12 ans. Mais j'ai pas retenu le nom. Réchou, quoi, la bella. Bien, toi. Mais toi, elle a juste 12 ans et elle me bloque pour avoir raison. Ah. Plus tu seras jamais modo, on dit Ushiwa. Ushia, Washwa, Ushuacha, Ushuaya. C'est Ushuaya, ouais, c'est ça, j'avais oublié, excuse-moi, c'est bien. Moi, tu me mets un ban de 300 secondes. Voilà, donc je reviendrai sur le live et je suis l'autre Sky Free Sky. Free Sky, ok. Mais j'attends toujours la réponse de Célia, hein. Si quelqu'un peut lui écrire, parce que je crois qu'elle m'entend pas, savoir si faut que j'enlève Modo, vu qu'elle m'avait demandé. Ferme ta gueule, Réchou, c'est Ushua, je te banne 48 heures, là. Ah, Ushuaya, ouais, bah ouais, moi j'aime bien prendre ma douche avec Ushuaya aussi, Célia. On passe du temps ensemble, si tu veux, à prendre notre douche.
Vous choyez nature, vous choyez passion. C'est que c'est lié. Alors, du fort, dit abonnez-vous à Réchou 39 si vous voulez parler des réseaux sociaux, Facebook, merci, Miss Sukina. Réchou, c'est lié à Ban Blue. Ah, pourquoi? Maintenant, il n'y a pas eu de ban. Il n'y a pas eu de ban. J'ai les noms des bans. Donc, j'aurais dû le voir si elle avait ban. Ah, si, c'est bon. C'est bon, il vient de s'afficher. J'ai rien dit. C'est bon, je viens de vous voir. Alors, ta copie, mon pseudo, je peux t'appeler Chiba, attends, passe ton PC de Réchou 3901. Réchou 3901, comme sur YouTube. Mon Réchou, de ben, je serai démote, ben voilà, je suis pas démote. Réchou, j'enlève le son. Non, on n'enlève pas le son. Pourquoi pas le créer compte en 2013? Oui, t'inquiète, tu seras démote, passe ton PC de Réchou, c'est Réchou 3901, comme sur YouTube, poto. YouTube. Du bas, j'ai toujours raison, raison si tu veux. Je joue Minecraft, mais le psaume, je ne peux pas jouer avec toi. Allez, malheureusement, pour toi depuis 2011. Par contre, entre parenthèses, Célia, tu m'as pas répondu. Et moi, je veux une réponse là-dessus. Je voulais savoir si je dois t'enlever Modo. Parce que vu que tu m'avais demandé, si tu veux, je t'enlève Modo. Je te fais ce cadeau. Bon, j'y vais, bonne nuit. Bon, bah, Miss Kina, bah, merci d'être passé. Merci de ce moment. Merci, j'ai compris que tu veux rester modo ici et plus être chez la team. Donc, je verrai en cours de route comment ça se passe. Hein. Je surveille. Et en attendant, merci, merci. Alors, bonne nuit, Miss, à plus, Miss. Salut, Réchou. Comment ça va? Ça va super bien, Retro. Et comment tu vas, toi, surtout? Dis-moi, Red, j'ai une petite question pour toi, entre parenthèses, hein, juste une petite question. Je voulais savoir si tu te lavais avec Ushuaïa Nature, Ushuaïa Passion. C'est ça, hein? C'est bien. C'est ça que tu nous proposes, hein, à acheter. Bonne nuit, Miss, accepte ma demande. Ouais, je vais l'accepter, mais pas maintenant, c'est pas possible pour toi. C'est une bonne nuit, Miss, Sky Putain fait genre, là je suis en embrouille, t'enlèves la seule crédibilité que j'allais peut-être avoir, tu saoules. Bonne nuit, Miss, Réchou Blue, Pun et Ben Réchou, je veux rester modo. Ah bah, tu veux plus ne... Alors, avant elle me faisait un caprice qu'elle voulait plus être modo, maintenant je lui dis je t'offre la porte de sortie, elle veut rester modo. Elle est énorme, celle-là. Elle est énorme. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? C'est juste pour savoir, c'est une question que vous avez posée. Je pose la question aux abonnés, s'ils aiment bien. Bon, j'enlève le son, car Réchou fait des blagues de merde sur le meilleur clan du monde. Il faut savoir rire un petit peu s'il y a dans la vie. Je veux juste te parler 5 secondes. Attends, 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 je vais te rentrer. Je vais laisser 2 secondes maniate. Attendez, j'arrive les amis. Hop. Bon, j'ai pas été long, ça devrait aller vite. Et tu connais quelqu'un qui s'appelle Louise? Louise? Ouais. Ah non. Merci Richou, à toi aussi, la Bella et Angelina, moi, merci à toi aussi et bonne nuit. Je veux juste merci Miss, de rien, Sky, merci à toi aussi, Mathieu. Vent, ah désolé Miss, du step, tu veux m'insulter en vocal. Moi aussi, je peux poser des questions bizarres. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Pas grave, Sky, je vois pas ton message, Blue est toujours ban. Fortnite, comment tu vas? Non, Blue, normalement, il devrait revenir dans pas longtemps. Red, c'est qui ton perso préféré sur R6? Attends, je re 5 minutes. Pourquoi tu joues à R6, toi, c'est bien. Tu connais quelque chose à R6? Non, parce que je croyais que tu connaissais que Naruto, moi. Je commençais à me dire qu'elle connaissait que les produits de gel douche, toi. Allô, attends 5 minutes, Zafir, à toi aussi. J'aime les lives de Richou. Merci Flamme. Merci Poto. Merci, merci, merci. Oups, je me suis trop loin.
Re, pourquoi je me suis fait ban? Parce que Célia avait envie de te ban. Après, c'est à elle qu'il faut que tu demandes pourquoi. Alors, Célia, mon perso préféré sur R6 est Vigile. Vigile, c'est de la merde. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, après, chacun son perso préféré. Moi, c'est le, tu vois, moi, c'est l'asiatique, tu vois. Avec ses pics à pion, je sais plus son nom. Mais je kiffe ce mec. Et son pompe est un pompe cheaté. Tu mets un coup à 15 mètres, le mec il tombe. Alors, Blue, tu seras jamais modo, car tu écris Ushiwa. Ouais, Ushiwa nature. Je sais, ma blague est pourrie, on la connaît. Ouais, j'ai jamais compris. Moi, je dis Ibana, elle sert de fou. Ah, Ibana, elle est bien aussi. Ibana, elle est bien. Bah, c'est celle que je prends en attaque. Hein. Et en défense, je prends celui qui a les piques. J'aime bien celui qui a les piques. Allô, j'ai fait une autre faute de frappe à cause du correcteur. Ah, Sylvia, tu joues R6, hein. Bande de rien. Invite frérot, ta gaming, tu peux rejoindre poto. T'es pas obligé que je t'invite. Hein. Rejoins la partie chat, déjà. Je vois, ouais, bute ta gueule, ton excuse est nulle. Vigile, pompe, c'est trop bien. Ouais, le pompe, il est bien aussi à Vigile. C'est vrai. Mais il n'y a pas que Vigile, il y a, comment ça s'appelle? L'autre aussi, elle a exactement le même pompe. Mist, pourquoi tu parles de moi? Skynan, je t'aimais à des vidéos. Ah, ok, Blue, tu fais des blagues sur les chihuahuas. En plus, ben, encore un ban. Bit, bienvenue, poto, que tu sois beau, pas. Coucou, comment tu vas? Bah, moi aussi, je t'ai fait une blague, Célia. Mais c'était pas méchant. Blue, c'est encore Seban. Boruki, Bonjour. Boruki. Yo. Maintenant, il y a un micro. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il y a un micro maintenant, je dirais. Ah. Il va revenir avec son autre compte. Ah. Son arme pompe. Red, elle a pas été patch. Son arme pompe. Ah, je sais pas. Ouais, de KB, elle a le même pompe que Vigil. Ouais, elle me semble bien, elle a le même pompe. Hein. Mais bon, moi j'utilise sa petite mitraillette là, j'aime bien. Elle de KB, sa petite mitraillette. Mais après, j'aime bien le fusil aussi. Hein. Au fusil, je suis pas mauvais du tout pour mettre une tête de loin. Salut Zoé, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Miss. Zafir, Zafir. Bonsoir Zoé, Zafir, Miss, c'est parti. Ouais, Miss Sukina, elle est partie, il y a pas longtemps. Yo, comment tu vas, Sky? Bien, bien. Désolé pour les bannes, hein. C'est normal qu'on me banne chaque fois que je viens. Ah ben ça faut voir avec ceux qui te bannent et pourquoi tu es ban. Non en fait faut pas parler de Naruto. Si Blue il a dit Uchiwa au lieu de dire Uchiha et voilà quoi, c'est lui qui regarde que Naruto, faut pas. Il faut pas suivre ça. Oh mais c'est Célia ça. Pas spécialement. Non. Ah bah après il suit plus, après il me demande de le débloquer. Bah je vais sur mon compte et puis je le débloque. Ah bah il passe par quelqu'un d'autre. Bah tout simplement par un autre qui est sur le live. Ils sont tous amis les uns et les autres en fait.
Tous ceux qui sont en live en ce moment, ils sont tous amis les uns les autres. Bah, il m'a envoyé un message directement sur mon compte. Ou alors. Si t'es bloqué, par exemple, si t'es bloqué, tu vas sur ma chaîne. Et tu laisses un commentaire. Sur un autre live. Crachou. En disant que t'es bloqué. Exactement. Crachou. Bah non, c'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Qu'ils font les autres. Crachou. Il y a déjà un chef modérateur. Bah c'est moi. Bah oui. C'est moi qui gère. En dehors de ça. Si je dois ban Célia, c'est moi qui la banne. Mais en attendant, c'est une bonne chose aussi parce que il faut savoir que je fais gagner un truc au meilleur modérateur. Donc, bien sûr, celui qui est le plus pourri, c'est pas celui qui vont voter les abonnés pour dire qu'il mérite un cadeau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais. Non, je sais, j'ai vu, mais je lis les messages. Non, c'est parce que tout simplement, il y en a combien qui mitonnent en disant tout et n'importe quoi. Donc elle marche pas dans le panneau. Elle préfère te dire que t'es un menteur, et après c'est à toi de gérer le truc en disant bah si tu me crois pas, tu me crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais tu peux pas savoir, non, tu peux pas savoir. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Mais bon après c'est comme ça, c'est tout. Bon. Tu m'en veux pas, mais juste deux secondes, je vais répondre aux abonnés. Hein. Juste deux secondes. Déjà je vais dire bonjour à Myriam qui vient d'arriver. Yo Myriam, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi de ce retard. Flamme, Réchou, ça va cool, le feu d'artifice, merci Zoé. Merci. Merci à ceux qui sont allés voir le vlog. Merci, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez le temps, si un jour vous passez dans la région, d'aller faire un petit coucou là-bas. Et d'aller voir, parce que moi j'y serai. De toute façon, je suis très souvent là-bas. Ce feu d'artifice est plutôt chouette et plutôt correct. Donc voilà, tout simplement, vous avez de grandes chances de me voir si vous y êtes dans le coin. Zafir, mes bestes, mais... Non, ça c'est bien, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord, donc je supprime. Alors, je reviens sur mon autre compte, car je vais être ban, je pense. Mince, elle revient, RIP, c'est bien, ça va pas chacun. Hein. Je suis pas ban, mort de rire. Non, parce que j'essaie de savoir pourquoi t'as écrit ça. Raichu. Ouais. Y a Boru qui m'a demandé de l'inviter, mais j'arrive pas à l'inviter. Attends, juste deux secondes, j'essaie de savoir ce qui se passe. Si, t'inquiète. Ouais, je sais, mais si je peux le faire, je le fais. D'accord, je comprends mieux. En fait, c'est Sky qui a cherché Zafir et Zafir a répondu. Et Célia voulait pas ban Sky. Ok, j'ai compris.
Merci. J'ai compris. Allez, Choup, tu fais quoi? Je fais tout simplement la poste, poteau. On fait la poste. Mais bon, on a déjà bien avancé avec Manette. Ouais, moi je suis une merde en avion. Alors, Jean, bienvenue poteau, que tu sois beau ou pas, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu fatigué, donc je vois là les mecs. Ok, ok, elle fume trop, Réchou, tu fais quoi, Myriam, ça la pute, parle mieux de... Ouais, Célia. Célia, c'est interdit, c'est un sujet que j'ai dit. Je sais pourquoi tu dis ça, mais c'est interdit. Célia qui prend la confiance. You la grosse folle, insulte, fais pas. Par contre, Réchou, flamme, mets ta gueule toi. Non, là, ça part trop loin. Hop, c'est toi qui dégage. Pout, ta gueule, Célia. Non, mais vraiment, fais quelque chose là, ça va partir en steak dans le live. Je te dis ça pour toi, Réchou, vraiment. Au moins, supprime ou bloque les personnes qui font n'importe c'est quoi. C'est bon, laisse ça. Non, je banne quand les gens le méritent, pour pas les... quand il y a trop d'insultes. Mais les gens ils sont bannes avant qu'ils leur disent en fait. Et ils peuvent vraiment dire parce qu'ils sont bannes par les modérateurs qui abusent. Vous êtes méchants, à minuit 25, ça insulte. Mamania, ok. You arrête, c'est bon, ok. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Magnette? Vas-y, je te suis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup qui demandent de l'inviter sur un Minecraft et j'arrive pas. Ah, mais tu peux pas l'inviter. Ouais. Même s'il te le demande, tu peux pas l'inviter. Je suis le seul à pouvoir inviter les gens sur cette map. Parce que j'ai déjà eu des surprises. Tu l'as en ami ou pas? Non, je dois pas l'avoir en ami. Ah. Je me vais envoyer. Bah du coup, demain tu joues par Réchou? Je joue tous les jours. J'aime Naruto, comment tu vas poto, qu'est-ce que tu racontes de beau? Mais en fait, pourquoi il se dispute? Si tu veux l'installer ce soir, fais comme tu veux. C'est quoi? Tu m'as dit? Non, tu parles à moi? Ouais, tu m'as dit quoi? Ouais, je t'ai dit, si tu veux l'installer ce soir, vas-y. De blattes, vos gueules, c'est interdit poto, tu vas te faire ban. Tu vas te faire ban, et ça c'est sûr, là le message a été supprimé, mais le prochain, à mon avis, tu te feras ban, poteau. C'est interdit de dire ça. Seigneur, arrêtez. Ah oui, bah là oui, t'as gagné ton ban, flamme. Bonjour Échou, comment tu vas de blatte? Qu'est-ce que tu racontes de beau, poteau? Reflamme, tu verras quand tu ne parleras pas, c'est Myriam, et si là c'est moi qui te fais voir, Réchou, tu peux m'expliquer pourquoi ils se disputent? Alors ça, j'en sais rien du tout, et j'ai même pas envie de savoir, mais toi, j'avais dit quoi la dernière fois? Quand il y a trop de disputes, j'arrête le live. Si c'est comme ça, je les laisse se machiner entre eux, et j'en ai rien à foutre. Royalement, je peux faire comme tous les youtubeurs, passer à côté des messages. Ah oui, mais je peux passer à côté des messages comme tout grand youtubeur qui sont les autres, qui en ont rien à foutre et qui répondent pas à vos messages, et là, faudra pas vous venir vous plaindre. Tout simplement. T'es sûr que tu ça me fera des vacances quand tu seras parti. Hein? T'es sûr que tu as pas un ami, Brooke, qui l'a dit Ah, il tente pas, hein. Il a dit un ami. Attends, je vais regarder ça, mais... C'est un pote à toi, Brooke? Non, il est déjà venu sur... Bah, c'est bizarre, parce que moi, je l'entends pas. Mais non, là, il est pas sur la partie, mec. Ah, bah, s'il est pas sur la partie, je l'invite pas. Moi, je préfère parler un peu et regarder le live. Merci, Zoé. J'ai pas insulté à une heure. Je vais peut-être... Bah, si tu veux, okay. Je vais regarder tous les messages. Je te dis s'il y a un problème. Oh, t'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Thibaut, comment tu vas, poteau? Tu es l'élu Réchou, une sorcière a été invoquée dans ton jardin par la force. Ouais, mais alors, Blatt, ça aurait pu être possible, mais j'ai pas de jardin. Parce que vu que je suis en appartement, ça va être très compliqué. Alors, à moins que ma plante verte qui est à côté a réussi à invoquer une sorcière, mais à part là, je suis en train de la regarder, il n'y a rien. Donc je suis désolé, Black. Je suis vraiment désolé, poteau. Là, à mon avis, ça va être très très compliqué.
Regarde Richou, elle m'insulte, arrête de ban Célia, de quoi? Et c'est insulte, c'est les camtos, voilà. Il se passe quoi, Richou, petit cœur? Ah, tu m'appelles petit cœur, tout à l'heure tu me dis évite-moi, puis maintenant tu m'appelles petit cœur. C'est cool ça, merci. Eh, franchement, vous êtes trop ce soir. J'en suis sûr, ils disputent partie d'un vieux truc, dommage, bah, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Youba, comme d'hab, hein. Dans les toilettes, sinon, je suis un vote qui ban en contact avec elle. Dans les toilettes? Non, dans les toilettes, c'est impossible, poteau. C'est impossible. Ah, c'est pas, je veux pas te dire que j'ai pas de toilettes. Si, si, j'ai des toilettes. Mais le seul problème, c'est que tout simplement, il y a déjà quelqu'un aux toilettes. Donc ça va être compliqué. Oui. Hercule, comment tu vas, Hercule? Myriam, tu devrais penser au suicide. Ah non, ça c'est interdit. C'est un map de quoi, Réchou? C'est un map? Non, c'est ma map. Stop, C'est ma map, ça. Casse du live. C'est ma map et ça part en coup. Je la kiffe, cette map. Stop, je suis Célia, tu devrais... Parce que je vais péter un câble avec vos insultes. Bien, Jean. Ok, bah fais comme tu veux, poteau. Hein. Fais comme tu veux, après, tu sais, c'est comme ça, hein. on peut pas tout gérer. Tu sais qu'est-ce que c'est le ban Célia, tu sais, t'es pas obligé de ban tout le monde. Bon, mais chou, il se passe quoi? Pas grand-chose, il y en a qui s'engueulent, comme d'habitude. Hein. Tu sais que c'est le ban... S'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi deux secondes. S'il te plaît. Mais mets les choses au clair. Il y a toutes les personnes de ton live qui sont en train de te plaindre de Célia. Là, tu peux pas, t'es obligé de faire quelque chose. Le trou. Ça. Mais je suis fait mute sur mon compte principal. Elle est super grande. T'as une maison dans ta map. C'est un Frisky qui est en vocal. Oui, c'est Frisky qui est en vocal. Réchou. C'est faux. Yo. On m'a cramé. Faut que je me casse. Mais tout simplement, non, je... Mais peut-être c'est qui l'autre dans la vocale. C'est Frisky qui est dans la vocale, Célia. Ban Célia, s'il te plaît, Réchou. Je ban pas comme ça, moi. Et ne vous inquiétez pas, il y a Hercule qui est là. Donc, s'il se passe quelque chose, Hercule est là. Donc, Hercule, c'est qui, Hercule? Réchou, Célia, la danse, la tête de Réchou, il a envie de arrêter le live, j'en suis sûr. Nassim, il y a plus d'insultes que par Célia, ban tout le monde à cause de Naruto. Ah, ok, c'est lui. Je vous ai déjà dit, parlez pas de Naruto. Jésus, comment tu vas poto qui se rencontre de beau? Réchou, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ça fait trois fois qu'elle me banne. Je sais. Salut mon frère, tiens, ça va, mais tu sais, j'ai envie de te dire, si je dois ban Célia, je dois te ban aussi, Flamme, pour les insultes que t'as dit. Donc, dans les deux sens, vous êtes aussi gagnants l'un que l'autre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans votre jeu, en fait. C'est qui le gâteau dans la vocale? Moi, 3, stop, je vais partir, péter un câble, j'en ai marre. Ça va et toi, la Bella? Je vais dormir, désolé de ne pas rester longtemps. Ok, Zoé, désolé pour ce qui s'est passé. Les gars, pardon. Au pire, attendez. Ça va et toi, Réchou? Arrêtez vos histoires, on repart de zéro. Elle a commencé, Jean, c'est bon, laisse, Hercule. On reste tous. Hercule. Je ne fonctionne pas tant que vous avez pas j'aimerais avoir ta map, elle est trop bien. Merci de Blatt. Merci pour tout. Mais attends, je vais te faire voir en grand si tu veux. Ce sera plus facile. J'ai la mise à jour. Bon, je vais dormir. Bye, Red. Ok, prends soin de toi. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir de te voir, tu le sais. En plus. Et sans moi, tu es nuage. Là, je suis en train d'imaginer si tu pilotes un avion. Là, vraiment, je suis dans ma tête, je suis en mode... Tu vois les pilotes japonais? Ouais. C'était des kamikazes. Ouais, je sais. Bah, toi qui aimes bien Naruto et les trucs japonais, tu vois? Non, j'aime pas. Bah voilà. C'est une des aides, moi. Ne parle pas de Naruto, s'il te plaît. Le sniper des manga, coucou poto, comment tu vas? Je suis de la merde. Que tu sois beau. J'assume, c'est bon. C'est bon, j'assume. T'as déjà vu un rebeu comme ça? Nassim, comment tu vas, poto? Toi, ah, mais c'est Fridge dans la vocale. Exactement, Célia, on te l'a déjà dit. Alors la sorcière est dans ton lit, elle t'attend. Non, c'est pas possible, la seule personne qui est dans mon lit, c'est ma femme. Mais bon, après, si tu l'insultes de sorcière, tu verras avec elle au moment où elle sera en live. Voilà, tout simplement. Ah, les insultes, on aime ça. RDC, yo, ah, poto, bon, comment tu vas depuis hier? Ça m'a fait plaisir de jouer avec toi. Franchement.
Espace bientôt saturé, bah super. 3v3, non, bah non, 3v3, non, je reste là-dessus, poto. Si tu me crois pas, invitez-moi en vocal, je l'invoque dans ta pièce. Mais non, mais tu peux pas l'invoquer dans ma pièce, poto. Tu sais même pas comment est mon bâtiment, déjà. Ça va être très compliqué pour toi. Oh, je pense que je vais acheter Minecraft. Yop, ça fait très longtemps. Are you player? Ouh! Alors là, les amis, ça fait vraiment, mais vraiment plaisir de te voir, Are you player? Ça fait vraiment longtemps. Franchement, je me suis demandé ce qu'il y avait, où t'étais et tout. Ah, ça fait plaisir, franchement. Merci, Hercule, de gérer. Je peux être modo, s'il te plaît, Réchou. C'est interdit, les demandes modo. Xésios. C'est la sorcière Zantia, elle sent des pieds. Ah. Bah, elle doit être à côté de toi, alors, si t'arrives à la sentir. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Après. Mais, dis pas ça, parce que s'il y a ta mère, délire, ou ton père, ou ton frère, ou ta soeur à côté de toi, et tu lui dis ça, il va se sentir mal, hein. Ça va être son délire. Si tu sens le fait de t'es un héros. Les religions ici, on garde pour soi. Exactement. Bonjour. Fritz, pourquoi tu es dans la vocale? Tu dis pas ton identité. Bah ouais, je sauve les autres. Mais toi? Moi, je vais me suicider si... Un peu et je préfère ben, mois. Ouais, ça fait un mois, ouais, même un peu plus, hein. Arrêtez de me couper, j'ai rien fait. Et franchement, ça se fait pas. Nassim, si, t'écris une autre langue, poteau. C'est pour ça qu'ils veulent pas. Magnat, ce que tu fais, Xavfire, arrête de me ban, s'il te plaît, ça se fait pas. Mec, t'as perdu 15% Blue. De tes vues. C'est lié à chaque fois, tu plombes l'ambiance des lives et insultant. Tout le monde, bonne pour Naruto. Mais putain, arrêtez, désolé, Reichu, je pars. J'aime Naruto. Ok. Ben, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours vraiment plaisir de te voir. Zafia, arrête de me ban, s'il te plaît, ça te fait pas. Non, je suis pas vocal, voilà. Et en plus, tu insultes. Salut, là. Bonjour, comment tu vas, poto, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Je l'ai invoqué dans une maison de retraite. Bah, je m'en fous, j'habite pas en maison de retraite, alors. Tu insistes au suicide, et en plus je suis très loin de la maison de retraite, donc. Salut, ça va, Fristien, frère Sky, Réchou, à plus, ça me saoule les disputes. Je sais, je m'en balade, je sais, poto. Mais un point inimaginable. Mais en fait, Célia, t'as pas du tout le comportement d'un modérateur, et ça je te le reproche 5 fois. Je peux être modo. C'est interdit, il y a une demande ici, poto. Il faut être actif souvent, et il faut le mériter pour faire voir maintenant. C'est par mérite, et j'en choisis 5 tous les 100. Voilà. A plus Yuyu, franchement, je m'en bats les couilles de vos reproches, mais d'un point imaginable, m'en dire. Ouais, mais peut-être que tu t'en bats les couilles, mais c'est vrai que d'un côté, il y en a d'autres qui en ont marre. Ouais, mais là, mais il non, faut mais aussi moi aussi, je commence à en avoir marre parce qu'il y a tout le monde qui se plaint d'abandon. Réchou, faut que tu fasses un truc. À cause d'une personne, tu perds tous tes viewers. Ouais, ils vont plus venir sur tes lives, après, je te l'ai dit. Depuis le début, je t'ai dit, cette personne va ban tous tes viewers, et c'est ce qui est en train de se passer. Je me revois, je m'en fous de reproches. Merci Réchou, au revoir tout le monde, je reste, mais voilà quoi. Nassim, c'est bon, t'inquiète, hein, et c'est là tu dis. Marcelli, tu viens sur les lives. Bisous, mon cœur. Réchou, pourquoi les modos de base doivent respecter les gens? Il répondait la chaîne. Je suis nu, allongé par terre avec 3 bougies. Bah, tu m'inquiètes, toi, de blatin. Hein. Réchou, maintenant je vais pas rester plus longtemps, ça sert à rien. Ça va super bien, Nassim, et toi? T'es en vacances, poto? Ça se voit, toi, t'as changé. Moi? Non. Je change pas, poto. Ben, et là, cette conne, merde, fait quelque chose. Vas-y, moi. Me barre. J'en ai marre de Célia, elle fait que de me ban. Yuyu, on est modo à nous. T'es tout ça. Arrêtez de ban Célia Itachi, le meilleur perso de Naruto. Arrêtez, au pire plus 1 pour qu'elle soit au démote, moins 1 pour qu'elle reste. C'est ça qui est Fritz. Nathil, seulement sur la. Je suis désolé, mais je suis obligé de le faire. T'es un grave. J'aime le veau. Je suis pas pour la banne. Je suis pas là pour casse-casse, mais moi, je vais pas te casser, Fritz, mais tu sais que Célia a été élue à la première compète, la meilleure modo, de la part de tous ceux qui sont sur le live. Ouais, bah ouais, je veux bien, mais elle a pris trop la confiance avec ta compète. Je préfère te le dire. Donc, elle a pas mal d'amis. Il y a même pas insulté. Oh, Pierre, mais si vous voulez qu'elle se casse, vous votez. Je suis content de te voir, mon poteau. Ça fait plaisir aussi de te voir, Ryu. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire à toi, Blatt. Mais c'est un modo, les problèmes, ce n'est pas nous.
C'est Réchou. Appelez-moi au bout du... C'était sérieux. Bizarre. Quand Célia insulte, elle se fait pas ban, mais quand les autres, juste une insulte, on les ban. Arrêtez avec Naruto. Ça, c'est n'importe quoi, elle a été ban il y a 10 secondes. Juste avant Poto, mais c'est pas grave, hein. Tu l'avais pas remarqué. Vous connaissez pas Boruto, la belle là, tu fais quoi? Célia est raciste. Non, mais ça a commencé par moi quand même. Je m'en veux tellement, ça a commencé par moi, juste dans ce que j'ai dit. La fille ne me laisse pas un gamin, c'est bon, beaucoup de personnes l'apprécient sur le live. Ouais, énormément même. La fille en écrit en majuscule, ta Discord, moins un, t'es en retard, c'est Célia. Il y a déjà un mois. C'est une assaillante de boue, de pâté. Il y a pas de rébellion, Célia, c'est juste tu aurais pas dû, alors, c'est la vie, mamie, voir les lives en couille, pété de rire, rébellion. Il y a tout le monde qui sont en train de red dislike. C'est en train d'arrêter ce lien, tu chou. Alors, révolution sur le chat. Tout simplement, non, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de truc comme ça, tout simplement. Il faut, comment dire. Je vais pas ban quelqu'un aussi pour rien. Moi, je respecte tout le monde, je suis là pour passer un bon moment, je suis pas là pour me prendre la tête. Et après, vous, là, pour l'instant, si vous préférez vous prendre la tête sur le chat, bah, amusez-vous, vous avez que ça à foutre, hein. Moi, j'ai pas de faire. Je suis du côté de Célia. Désolé. Désolé. Non, mais les gars, au pire, si vous voulez la renverser, qu'elle reste, vous avez juste à voter plus ou moins. Si vous voulez qu'elle reste, vous faites plus 1, si vous voulez qu'elle parte moins. Ça évite de casser la tête et dire, moi, je veux qu'elle se casse. Alors, révolution envers Célia qui est avec moi. T'as Discord, oui ou non? Non, j'ai pas Discord, poto. J'ai déjà dit, j'utilise pas Discord. Vous avez tous les autres, vous avez Insta, Snap, et tout, si vous voulez parler en privé, y a pas de souci, hein. Mais, pas Discord. La Bella, y a une révolution contre moi. Célia raciste, bleu tout le monde, pété de rire, Célia raciste. Elle m'a traité de fils de hunte, mais c'est normal. Nassim, Nassim arrête. Zafir, faut pas écrire majuscule, moins un. Célia, je suis de ton côté, oui. Mais Zafir, elle m'a traité de sale mouton, ok. Un mouton, c'est gentil, c'est pas méchant. Hein. Moi, ouais, mais je suis arrête de rater du coup à chaque fois. Y a... Juste pour un modérateur, tu lui fais au moins un avertissement c'est vocal. Ça va être remonté. C'est pour la démote. Mais attends, c'est quoi, c'est Free Sky ton nom? Tu sais, vos conseils, je vous remercie hein, de donner vos conseils. Chacun donne ses conseils, c'est bien. Mais je vais pas non plus suivre tous vos conseils. Ouais, c'est pas ce que tu disais la dernière fois, tu suivais tes abonnés? Parce oui, là, je suis mes disais, abonnés, j'écoute mes voilà. abonnés, mais pour l'instant, non, t'es le seul à te plaindre pour l'instant. Tu contredis? Non, t'es le seul à te plaindre. Ok, bah attendez, on va faire un truc. Attends, dans tout le live, à part Blue Weapon, toi et Flamme, vous êtes trois. Trois? Attends, Richou, on va faire un truc. Tu veux voir, on va te faire ouvrir les yeux. Toutes les personnes qui sont dans Mardel, vous faites un truc. Sur 1270 personnes, vous êtes trois. Bah, oublie pas que t'as des abonnés qui sont pas actifs, enfin, comme tout le monde, ça c'est sûr, t'as pas 1200 abonnés actifs tous les jours. Ouais, toutes les personnes qu'on en a, vous faites plus 1. Ah, c'est plus 1, non mais attends, plus 1 pour qu'elle se casse, moins 1 pour qu'elle reste. Tous ceux qui aiment Célia aiment forcément Naruto. Exactement. Réchou, à cause d'elle, tu vas perdre tous tes abonnés. Non, parce que au bout du compte, si un jour je devais perdre pas mal d'abonnés et tout, poto, je suis pas là pour être connu ou pour ci, pour là, je suis là pour passer un moment, discuter avec les gens. Si les gens ils le savent pas, ça j'y peux rien. Après, entre parenthèses, moi, je suis pas là pour être connu. Donc, entre parenthèses, voilà quoi, j'ai envie de dire. Juste discuter, passer un bon moment, rigoler. Voilà. C'est tout. Les abonnés, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, le savent exactement, je cherche rien. La preuve, j'ai une chaîne de dons, j'en parle pas. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je m'en fous, je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour m'amuser, passer un bon moment, rigoler avec ceux qui le souhaitent. Et ceux qui le souhaitent, ils savent comment ils doivent me parler. Les autres, s'ils ont ça à faire, à s'insulter avec Célia sur le chat, bah, amusez-vous à vous insulter. Qu'est-ce que je voulais que ça me foute à moi? C'est votre délire à vous, pas à moi. Ça me casse les couilles, je me casse. Le live comme vous voulez. Je me fais ban, moi je me casse, moins un. MDR, pas d'insulte Célia, c'est mort pour toi. GG, Yuyu. Déjà, on est à 6, hein. On est à super pas d'insulte, merci pour les règles, Yuyu. Plus 1, il y a un terrain. Salut Zartek, comment tu vas poto? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais, ensuite Célia, c'est mort pour toi. Tradette, comment tu vas poto? La team Réchou. PC1, Geeker, Zartek, tu tombes bien. Il y a une révolution contre moi, Tradette, je vais essayer. Ce qui ban arrêter les gens, ils partent à cause de vous. Célia, c'est pas sympa.
Mais vous faites Bella, tous non, pour qu'elle vous insulte. Un conseiller échoue, arrêtez. Arrête les modos. Ouais, ça peut être un conseil, ça, Nassine. Ça peut être un conseil. Mais ça peut être aussi un début de changement de modo. Au pire, la France, est-ce que tu habites vers l'Allemagne? Non, non, Ariou. Non, non, Ariou. J'habite vers la Suisse, moi. À 1 heure de Genève, poto. Très bientôt, Richemont. Non, à 1 heure de Genève. Je suis en France, mais à 1 heure de Genève. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Peut-être pour ces gars, j'ai plutôt vers l'Afrique. Je connais un peu la France, mais. Je vais toujours bien, toi. Je passe mes vacances à Nantes. Ah, Nantes. Qui est là pour ces musées. Ouais, c'est cool, là-bas. Zartek a eu une putain. D'accord, de rien, ok. Salut, Bella. S'amuser avec les choux. Qui est là pour s'amuser avec les choux? Merci, Zécios. Ça va, Zartek. Flamme. Vas-y, moi, je me casse. Célia me casse les couilles. Mais il faut pas lui parler. T'es en train de tomber, ouais, ben, voilà, c'est ça. Je juste, repasserai arrêtez, peut-être arrêtez jamais, tu ça. Perds tout à côté d'elle, à cause d'elle. Alors Thibaut, entre parenthèses, Thibaut, toi tu viens sur les lives souvent 5 à 10 minutes, pour dire bonjour et si là. Après, en dehors de ça, souvent t'es pas là. Je suis assez d'accord avec ça. Après, entre parenthèses, j'ai rien contre toi, moi ça me fait plaisir que tu viennes, ça fait plaisir qu'on discute. Après, si Célia vous énerve, vous n'êtes pas obligé de lui parler, simplement. Et de deux, entre parenthèses, moi je suis pas là pour bannir les gens, je suis là pour passer un bon moment. Donc le reste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Attends, Richon, je peux te dire un truc, juste un truc, écoute-moi, juste 2 secondes, s'il te plaît. Je te suis depuis 1 an, il n'a jamais eu ça, et t'es en train de dire que tu veux bannir personne. Tu préfères quoi, que toute ta communauté se casse à cause d'un modérateur, ou juste prévenir le modérateur d'arrêter? Le choix est vite fait, tu lui dis de se calmer, et c'est tout le monde reste. Là, t'es en train de perdre tous tes viewers à cause d'une personne qui est susceptible à fond, juste parce qu'on lui fait une remarque, elle va dire tiens, toi je vais te ban, et elle a soutien des autres modérateurs, parce qu'apparemment c'est la meilleure. Mais je peux te couper juste 2 secondes. Oui. Tu sais, je fais un live. Par exemple, quand je fais un live, je peux avoir une vingtaine de pouces bleus. Mais j'ai toujours 2 ou 3 personnes qui dislike, voire arriver jusqu'à 9 ou 10. Alors, entre parenthèses, pas obligatoirement quand c'est lié là, mais ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a pas de changement. Tu peux la reprendre. Après. Là, tu la défends, t'es en train de perdre tout le monde, tu lui dis non, juste non, stop. Je défends personne. Ah, attends. Tout simplement, c'est comme ça. Je peux dire quelque chose. Ah ouais, bah tiens. Dis bonjour d'abord. Bonjour à tous. Alors, à celui-là qui parle, qui critique Célia depuis tout à l'heure, Célia, c'est l'une des premières à modo, première à vous aussi. Ok, elle a son caractère tout, hein, elle a peut-être pas un bon caractère, on va dire, mais en même temps, vous faites tout pour la chercher à critiquer Naruto. Si vous parlez pas de Naruto, elle ne va pas vous insulter. Alors, à faire la morale à Reichou, comment il doit faire sa chaîne, et c'est à lui de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. C'est pas à vous de lui dire. Ok, on va remettre quelque chose de clair. Je vais juste sortir 3 mots, ça va être simple. De une, vous l'insultez, vous insultez, c'est normal en même temps. Attends, je peux parler, tu sais même pas ce qui s'est passé, tu dis qu'on parle de Naruto de une, je sais même pas c'est qui ton Naruto. De deux, je viens sur les lives, cette personne s'amuse à avoir raison sur les autres et s'amuse à ban pour son plaisir personnel, donc il y a zéro eu discussion de Naruto. Je peux parler, je suis depuis tout à l'heure sur le... Je suis à côté depuis tout à l'heure. Mais à partir du moment où je suis venu, elle s'amuse à ban les gens, donc ça c'est mes faits. Je m'en fiche de ce qui s'est passé avec Naruto, c'est pas mes histoires. De deux... Richou qui s'amuse à dire sur un autre live, je le respecte, ça fait un an que je suis toujours fidèle à sa chaîne, qui s'amuse à dire oui, mes abonnés ont toujours raison sur ma chaîne. Là, tous ses abonnés se plaignent d'elle, pourquoi il n'agit pas et lui dit simplement arrête. C'est plus rapide. Et on te au lieu de perdre tous ses abonnés. Voilà, c'est plus simple, il n'y a pas à parler pendant 1 heure, c'est réglé. Il n'y a pas de manipulation ou autre comme elle le dit. Je suis pas là pour tout casser. Je suis pas là pour foutre la merde. Juste pour qu'elle se calme et qu'elle arrête de ban tout le monde pour ça. Pour l'instant, elle essaye de se calmer. Hein, elle parle, mais vous êtes toujours en train de la chercher, de l'insulter, de tout ça.
Donc elle fait quoi? Elle fait que se défendre. Moi je veux pas la défendre parce que voilà, Célia, je la connais pas plus que ça. Voilà, mais essayez d'apprendre à la connaître et vous verrez que c'est une personne formidable. Ah, certes, c'est une personne formidable. Je veux bien le savoir, je la connais pas personnellement. Ça fait un an, comme je te le dis, j'ai pas été toujours là sur ce live. Mais du fait que je raconte quelque chose à une autre personne et qu'elle s'amuse à traiter de mytho à mon égard, elle allait me faire sa maline apparemment. Et là, comme tu vois, elle s'amuse à me provoquer sur le chat. Je m'en fous complètement de cette personne. Elle a 10 ans et demi, je sais pas, 9 ans, je m'en fous. Mais que Roshu ne fasse rien pour lui, enfin pour cette personne, il y a tout le monde qui se plaigne. Alors tu vas dire oui qu'on l'insulte, non, pas du tout. Moi je viens sur le live pour parler, et elle s'amuse de traiter de mytho. Oh, moi pour l'instant, moi, celui-là que je reprocherais là, celui-là qui banne pour rien, pour moi, hein, depuis tout à l'heure que je regarde le live, hein, celui-là qui banne, c'est Zafir. Alors Zafir, oui je te banne parce que... parce que t'as mis bonjour, allez, je te banne. Zafir, ouais, il a un peu pris trop ses ailes. Et oui, lui, il banne pour rien. Mais Célia, j'ai pas vu banne pour rien. Elle banne parce que l'autre lui a dit ferme ta gueule. L'autre l'a insulté. Pour l'instant, moi, j'ai dit c'est Zafir qui fait... Alors, pourquoi tu dis vous? Parce qu'on est un clan, genre, c'est moi qui ai créé cette polémique. Non, je dis vous dans l'ensemble de tous les abonnés qui sont sur le live. Ah bah oui, sauf que des modos qui... personne se plaint. Il y a juste les modos qui se défendent entre eux et les viewers. En fait, c'est simple, ils se cassent tous, il n'y a plus personne sur le live. Après, Réchou dit qu'il y a du monde sur ce live en général, ça va être comme ça tout le temps. Oh lolo, hey, tu fais trop le poétique. Mais de quoi poétique? Il y a quoi de poétique? Il y a quoi de poétique sur ce que je dis? Je suis juste en train de lui faire ouvrir les yeux sur le fait mais que... Arrête d'épiloguer, sois direct, arrête d'épiloguer, mec. Soit direct, tu sais, ça fait combien de temps que je suis en train de lui expliquer et qu'il fait semblant d'ignorer et continue à lire ses commentaires? Elle fait semblant. Je parle à Réchou. Merci. Et alors? Ben voilà, donc t'es en train de me parler d'un truc, tu me sors alors 2 minutes plus tard. Je suis en train de parler de Réchou, pas d'elle. Parce que elle, c'est simple, si j'aurais été le gérant de la chaîne, je l'aurais direct repris et lui dire d'arrêter. Donc en fait, au lieu de reprendre chaque abonné qui est en train de se plaindre, elle devrait. J'ai pas un français correct, je suis pas français de base, mais il, au lieu de reprendre tous ses abonnés un par un, devrait reprendre la cause du problème, qui est Célia. Et elle est pas seule, il y a d'autres personnes qui foutent la merde. Je veux bien comprendre qu'il y a pas que les modérateurs, il y a des modérateurs formidables dans le chat. Je suis là, moi. J'ai pas de conseils à recevoir de personne. Je suis désolé de vous dire, mais là-dessus, j'ai pas de conseils à recevoir de personne. Alors voilà, et alors, pourquoi tu parles? T'es pas tous les jours sur les lives. En fait, je vois pas pourquoi tu parles. En fait, je suis juste là pour dire bonjour et à partir du moment où on me traite de mytho et qu'on me banne, j'accepte pas. Bah, on te banne pour quelque chose. Ils vont pas te banner pour rien. Non, je veux dire pourquoi. Attends, je veux dire pourquoi on va battre. Tu vas rigoler pendant 10 minutes. Ouais. Je viens sur le live. Si quelqu'un s'amuse à dire qu'il fait chaud, je lui dis que moi, chez moi, en ce moment, il fait hyper chaud et que c'est drôle, hein. C'est drôle quand il fait 40 degrés environ. Et qu'est-ce qu'elle s'amuse à dire, mytho? Je lui dis que c'est pas un comportement de modérateur, et qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, tu vas te prendre un ban de 500 secondes. Waouh, modérateur! 500 secondes. C'est ce qu'elle a écrit. Et c'est ce qu'elle a écrit, je suis en train de te dire ce qu'elle a écrit. Oui, d'accord, tu veux que je te ressorte le message pour faire le mec malin? Il n'y a pas de souci, je te ressors le message. Écoutez, parce que vous allez sortir tous les deux. C'est ça, ferme ta gueule. Je suis pas là pour me battre avec vous, hein. Tout simplement, c'est moi qui décide comment ça se passe. Pour tous ceux qui sont pas satisfaits et pas contents, la sortie, vous pouvez la prendre. Je suis là pour passer un bon moment, enfin là pour me prendre la tête avec les gens. Je suis désolé. Après, s'il y a des modérateurs qui vous plaisent pas, c'est votre problème. Ici, il y a 1270 abonnés. Il faut gérer 1270 personnes. Et pour gérer 1270 personnes, obligatoirement, dans 35 modos, il y a obligatoirement un ou deux moutons qui vont pas avec. Ça, c'est une obligation. On peut pas faire, je peux pas être à leur place. Je peux pas voir tout ce qui se passe. Non, attendant, si ma femme te dit que Célia a ban que des personnes qui avaient critiqué ou insulté, ou si ou là, c'est ce qu'elle a fait. Après, s'il y en a d'autres qui bannent pour un rien, c'est qu'ils ont ban pour un rien. Je m'en fiche des autres, évidemment. Il n'y a pas eu de raison valable de me ban. Je m'en fiche des autres complètement. Mais je vais dire un truc, ça va être simple. Quand tu as 1200 abonnés, tu fais en général des sous-chefs et des personnes qui gèrent. Tu peux pas avoir sous-chef. T'as pas de sous-chef. Mais non, mais t'as personne qui gère. Le seul qui gère, c'est moi, gars. Tu peux pas mettre de sous-chef dans une chaîne modo.
Y a un truc que tu comprends pas, y a un truc que tu comprends pas, tu dis que t'as 1290, je sais pas combien de personnes qui te suivent. Il y a juste 15 personnes environ sur ton live, t'as des abonnés mais qui sont pas forcément constants sur tes lives. Des fois il y a d'autres personnes qui viennent de temps en temps, d'accord. Jusqu'à maintenant on était 22. Hein. Oui, et là on est combien? On est 17. Ah bah, pourquoi ils sont partis? La cause du problème est là. Non, c'est la cause... personne qui s'est mise à ban. Bah non, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu mélanges? Alors moi je suis pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Du tout. Non, ah, parce qu'en non, fait, non, tard, en fait... du coup il y a tout le monde qui quitte ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Déjà de 1, Frid, c'est la première fois que tu viens, que je te vois là, en chat, hein, entre parenthèses. T'es jamais là normalement. Entre parenthèses, tu me dis que t'es beau. Qu'est-ce qui me le prouve à moi? À rien. Déjà bien. Peut-être que t'es juste là pour foutre le bordel. Ça peut être une autre raison aussi. Mais entre parenthèses, moi je vais te répondre que il y a des gens à gérer. T'as beau critiquer ma chaîne, moi je fais entre 180 à 300 vues, voire si je peux durer un peu plus longtemps, je reste 4-5 heures sur le live, je fais 800 personnes. Moi j'ai pas à me plaindre. J'ai lancé une chaîne pour plaisanter, m'amuser, rigoler, passionner. Non, je te donne des chiffres. On parle toi, t'es un modérateur qui fout la merde sur ton putain. Mais de même si un modérateur qui te plaît pas, t'es pas obligé de lui parler. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre. On peut pas être ami avec tout le monde. Est-ce que t'es ami avec tes voisins? Obligatoirement, t'es obligé de t'entendre avec les gens. Je suis bien, je suis seul. Ça va être simple. Non, mais en fait, tu montes la voix, mais moi je la monte pas. Tu peux rester mais c'est pas une question de monter une voix, c'est juste une question de t'expliquer. Non, je t'explique que tout simplement, tu peux pas être ami avec tout le monde. C'est tout simplement ça. Mais j'ai compris. J'ai compris ça, que tu es le maître du monde, tu as mis son. Non, je suis pas le maître du monde, t'es en train de tout mélanger. Non, t'es en train de tout mélanger. Non, t'es juste en train de tout mélanger. En fait, t'as plus de modérateurs que de personnes qui te suivent. T'as environ 5 modérateurs pour 3 viewers, c'est impossible. Tu prends des modérateurs compétent et tu rajoutes pas toutes les 2 minutes, tu dis ouais, faut pas demander pour être modo. Comment tu fais pour avoir autant de modérateurs qui ont aucune expérience? Tu les ajoutes comme ça pour le plaisir. Après, tu te plains qu'il y a des gens qui sont bad. Bah oui, tu mets 3 modérateurs pour 100 personnes, ça suffit. Pas 50 modérateurs, ils bannent comme mais ça, c'est des robots. Je mets les modérateurs que je veux, j'ai aucun conseil à recevoir de personne. Dis-moi, t'as une chaîne? Non, moi non plus, non, je te donne pas de conseil. T'as une chaîne? Non, mais t'as une chaîne? Ah, mais moi je fais pas de live. Bah, augmente ta chaîne, arrive à 1200 abos et tu viendras me donner des conseils. En fait, non, mais je t'apprends. On en est là, on en est là. Tu es en train de me donner à moi des conseils. Alors moi, je vais t'en donner un conseil, tout simplement. Si ça te plaît pas, tu prends la sortie. Je te demande rien, moi. Moi, je demande rien à personne. Je suis seul à gérer ma chaîne, y a personne qui se plaint. Toi, t'as des modérateurs, tu as réussi à quand même avoir mais ça te regarde pas. Tes modérateurs, c'est pas. Mais ça te regarde pas. Non, t'es juste là pour foutre le bouton. C'est tout ce que je vois, moi. Ah oui, je fous la merde. Bah oui, ah oui, bah là, tout simplement. Chat, fous la merde. Ah bah là, oui, c'est parce que c'est toi qui provoque. C'est personne d'autre. Fous la merde. C'est moi qui est en train de dire, tiens, Célia fout la merde. Et je suis pas que Célia. Que Célia te plaise ou qu'elle plaise pas. Qu'elle plaise à personne dans le chat. Ou si ou là. Si quelqu'un vient. Oui, mais si quelqu'un doit venir s'en plaindre, il vient de s'en plaindre à moi. C'est une personne formidable. Ça, c'est sûr et certain. Mais qu'elle soit formidable ou pas, on s'en fout. Mais qu'elle pourrit mon live. Qu'est-ce que tu t'en fous de mon live? Soyons francs, qu'est-ce que tu t'en fous de mon live? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, le nombre d'abonnés que je fais? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, comment il fonctionne mon live? Alors donc, les personnes qui sont là, ils sont... Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Parce qu'ils viennent juste pour discuter avec moi et passer un moment avec moi. Faut pas tout mélanger. Y'a rien à mélanger, tu dis pourquoi je viens sur tes lives? Mais pourquoi les autres ils viennent aussi? Ils viennent pourquoi? Pour être divertis? Bah non, qu'est-ce qui se passe? Il y a un modérateur qui les agresse dès qu'ils viennent. Ah bah tu m'étonnes. Le modérateur a agressé personne pour l'instant. T'es le seul à le dire. Je t'achète un deuxième écran pour que tu vois les messages qui sortent. Oui, j'ai vu les deuxièmes messages. Mes flammes jusqu'à maintenant n'ont pas arrêté d'insulter Célia depuis tout à l'heure. Et après Célia se défendait. Je suis désolé, mais moi j'ai un écran, moi j'ai une tablette et moi je suis en train de visionner les messages en même temps que ça sort. Attends, je veux répondre à un message. Nous aussi on soutient tous, alors Freeze fais ta vie, si t'es pas content casse-toi. Bah je suis pas content et je veux pas me casser parce que j'ai pas écouté tes ordres, tu fais exactement comme Richou, je suis pas les ordres des autres, voilà, juste répondre à ce message. Du coup on en est au fait que, bah donc en fait tu dis n'importe quoi, la dernière fois que je suis venu sur ton live je voulais pas que tu supprimes ta chaîne, parce que quand même, comme tu dis, je viens juste d'arriver sur ta chaîne, ça c'est sûr, quelqu'un qui vient sur ta chaîne, il a pas envie de voir ta chaîne supprimée, c'est ballot. Alors qu'est-ce que tu me dis? Ouais non, c'est mes abonnés qui décident,
si ma chaîne est supprimée. Oui, c'est les abonnés qui donnent leur avis. Oui, les abonnés donnent leur avis. Il y a 15 personnes qui veulent qu'elle soit ban. Bah, pourquoi non, il n'y a pas 15 personnes. La preuve, Tradette vient de te dire quoi il y a deux secondes. Ce que je vais faire pour toi, je vais prendre tout en screen. Les messages qu'il y a eu contre elle, je fais une vidéo sur ma chaîne demain. Et puis tu regardes et j'inviterai à la partager sur un de tes Discord si t'en as un. Et puis on verra. Si tu veux avoir raison, il n'y a pas de souci. J'aurais jamais tort. Tu peux voir ce que tu veux. Mais attendant, il t'a dit quoi, Tradette? Attends, je relis le message. Nous aussi, on soutient tous. Alors, Fried, fais ta vie. Et si t'es pas content, casse-toi. Ça vient pas de moi. Ça vient de qui? Bah, parce qu'il t'a répondu. Tu dis, il y a 15 personnes qui te suivent. Non, il y a personne qui te suit. T'es le seul à te plaindre. J'ai jamais dit qu'on me suit. T'es le seul à te plaindre. Comment tu es? Je suis pas là pour. Tu n'aimes pas Célia. Je t'oblige pas. Je t'oblige pas. Je te parle. Célia, je te déteste. Célia, je te déteste. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Voilà. C'est ton choix. Je peux pas aller contre. Mais chacun est dit d'aimer qui veut. Je sais pas non plus t'es qui, mais bon. Alors concours depuis tout à l'heure. T'es avec Freeze. Vous savez très bien qu'elle n'aime pas. Qu'on écrit mal le prénom Naruto, Winchati, je sais pas quoi. Excuse-moi. Bon, si tu veux aller dans ta tête, merci. Bon, moi je veux pas d'histoire, je veux pas de bagarre sur ton live, mais au moins que tu ouvres les yeux et que tu fasses le nécessaire pour pas que ça part en couille. Et là, tu repars sur le fait de je vais pas te donner de conseils. Mais tu viens de dire tout à l'heure que t'écoutais tes abonnés. J'écoute mes abonnés, mais quand mes abonnés me donnent un avis, un vrai avis. Là, tu me donnes pas un avis, tu critiques juste la façon de Célia. Mais si, mais tu m'écoutes que Célia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je m'en fiche de Célia, mais si, si, je vais faire rien. Tu parles tout de là. Et puis les autres modos, ils en parlent des autres modos? Non, que Saphir qui fait mal son boulot. Mais les autres modos, ils sont compétents, c'est le mot que tu connais pas, compétents, c'est ça? Non, ils sont pas compétents. C'est compétent. Non, Saphir, jusqu'à maintenant, il a pas été compétent? Il a fait venir pour rien. Bah oui, parce qu'il a pas été sur ton live, il a été sur ton live pendant quoi? 10 minutes? Oui, mais moi je regarde, pendant 10 minutes, si tu fais des conneries pendant 10 minutes, c'est que t'es pas compétent. Mais après, alors, ça peut être une erreur aussi. Et une erreur, ça peut, voilà quoi, s'arranger. C'est comme tout. C'est qui qu'il a des mods? C'est qui qu'il a des mods? Il y a des mods qui... Mais personne n'a des mods. Bah, tu dis qu'il a fait des problèmes, donc il a fait des problèmes, t'as rien pour gérer ça. Pour l'instant, je gérerai ça en privé, ça regarde personne d'autre que moi et lui. Tu parles mieux à madame, sale chien. Mais du coup, tu parles, je parle à Richou, en fait. Déjà, tu vois, le langage que t'as pour un modérateur, et ça, ça me dépasse. Mais après, je dis modérateur, t'es juste sur une chaîne YouTube. Enfin, t'es pas... Faut pas commencer à être Miss, je suis la plus belle, je suis la plus forte. T'es juste sur un live. Le mec qui rage contre Richou, écoute, tu t'en fous de son live, c'est pas le tien. Et tu t'en... Non, mais là, en fait, je suis en train de défendre mes propos et ce qui m'est arrivé. Je suis pas en train de défendre mes propos. Merci, Wikipédia. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, chacun libre, après. Casse-toi, mec. Tu t'as dit, ouais, je veux pas de problème, mais je veux pas qu'il y ait de bagarre sur ton live. C'est quoi? Tu non, mais t'es pas obligé de pousser sur ta voix pour faire voir que t'es un robot, mec. Hein, c'est... Ta gueule, au pire, ta gueule. Ouais. Tu vois, tu prends ta manette, tout ça, tu fais mute, j'ai pas besoin de t'écouter. Bisous. Ouais, bah écoute, voilà, moi, ça fait des putes. J'aime pas trop les personnes qui font cette insulte. T'as pas besoin de le faire. Moi, je trouve ça complètement idiot de vous battre pour ça. Mais bon, après, c'est votre délire, je vous laisse dans votre délire. J'étais tranquille depuis le début. J'étais juste en train de te parler doucement, te dire, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça. Je parlais pas forcément d'elle, je parlais de toutes les personnes qui avaient sur le live. Oui, mais... Des embrouilles pas possibles. Oui, mais je comprends ton message. Mais moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout simplement, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est simple, c'est clair, net et précis. Donc, obligatoirement, t'auras toujours un modo ou deux qui vont pas. Sur n'importe quel live. Juste, dis-moi les règles. Je suis allé sur un live il y a pas longtemps d'un abonné. Le mec, il m'a ban pour rien. Je disais juste bonjour. Il m'a ban pour rien. Est-ce que j'en ai fait une maladie? Non, j'en ai pas fait une maladie. Oui, bah oui, mais sauf que moi... C'est comme ça déjà, en fait, je vais pas me mêler de sa chaîne, c'est sa chaîne. Je peux rien faire de plus. Ah, moi non plus, je m'aimais pas de ta chaîne, je suis juste en train de te dire, il y a quelqu'un qui fout la merde. Après, bah ouais, je parle pas forcément de Célia. Quand je suis quelqu'un, je suis en généralité. Il y a d'autres personnes qui étaient en train d'insulter. Mais cite-moi la règle d'un modérateur, c'est quand même quelqu'un qui est censé respecter ta chaîne et montrer le bon côté de ta chaîne. Mes fils? Mais quel tu fils peux pas jouer mon temps. Fils, tu veux dire, Zécius. Et ça se crise. Merde, Célia, je te dis GG. Re Clément, Zartek, tu étais un bon. Re Clément, Fritz, Pournay, devient tout seul dans son coin mort de rien. Et tiens, arrête, tu fais rien. C'est quoi le pseudo du mec? Ah, c'est Freesky. Je suis pas un mec. Je sais pas ce qu'il vous fait dire que je suis un mec. T'es mal, c'est fils d'up. Il m'a muté tellement qu'il assume pas.
Mais après, chacun... Non, mais en chacun fait, j'ai rien qu'à assumer pas, c'est juste que t'es en train d'insulter, c'est juste ça. C'est... Non, mais je ne force personne à rien, moi, Poto. C'est ce que t'as pas compris. En tout cas, je veux dire un truc. Je gère ma chaîne, tout simplement, dans le sens où elle doit fonctionner. Si les gens, ils sont là pour s'insulter, ils s'insultent entre eux. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute à moi? C'est ta chaîne, je sais, j'ai pas géré ta chaîne, ça c'est sûr. Mais je suis en train de te faire ouvrir les yeux comme modérateur. Attendez, laissez-moi parler. Je veux juste dire un truc. Un modérateur est censé quand même respecter les autres sur ton live. Ils sont censés dire, tiens, bah regarde, le Minecraftien, lui, c'est un bon modérateur. Il annonce les règles, etc. Et il est censé les respecter, ces règles-là. Oui, alors mais... que t'as Célia ou un autre modérateur, c'est un exemple, c'est la personne oui, mais qui je vais, m'a agressé. Je vais te couper dans ton élan. C'est tout simplement, tu vas sur la chaîne de Squeezie, tu lui dis que son modérateur est merdique, ou s'il a, et on verra quelle défense il va prendre. Et tu verras que c'est toi qui vas dégager au bout de 10 secondes, et ça sera personne d'autre. Squeezie... Non mais c'est un exemple, tout simplement il va te dire si ma chaîne te plaît pas, si mes mots ne te plaisent pas, tu peux très bien aller te promener ailleurs. Aussi. Sauf que ces modérateurs, ils les connaissent IRL, c'est pas des mecs random qui choisissent sur les lives. Eh bah exactement, c'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Tout simplement, tu peux pas plaire à tout le monde et ça sera tout le temps comme ça. Non mais Célia, je comprends, après, je t'excuse, moi aussi j'ai jamais eu de problème. Vous voulez pas être ami avec Célia, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec Célia, mais juste ne parlez pas de Naruto et comme ça vous n'aurez pas de problème. Naruto, je sais pas c'est qui Naruto, je suis pas dans cette histoire là, je suis dans une autre. Je défends personne, j'ai pas d'argument pour défendre sauf le mien. C'est bien que je m'excuse, mais si ça tira, je peux te faire ça, car j'ai fait un énorme bruit. Bah Frisky, arrête, tu t'en fous de sa chaîne, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? C'est pas ta chaîne, ok, tu le défends, mais il peut se défendre tout seul. Exactement, merci. Mais en fait, je me défends moi. Oui, il va fermer sa gueule, ce casseux. Non, c'est... Je suis juste en train de me défendre moi. Je suis en train de dire que il y a des personnes qui t'insultent et qui te bloquent sur réseau. Ça me casse la tête. Je suis pas en train de. Mais merci pour la route pour toi. Bah, si tu peux la prolonger un peu, tu la prolonges un peu là. Et puis là, tu fais un. Mais que du noir, tu mets que du noir pour aller jusque sur les côtés. Mais tu fais que 5 de longueur. Hein. Et au pire, si tu finis pas, si tu trouves que c'est trop long, je le ferai moi. T'inquiète. Hein. Va dormir Frise, non moi j'ai pas 10 ans, je suis pas quelqu'un qui a dormir Frise. Réchou, dis-lui de ne pas fermer sa gueule, il me saoule, mon ami Frise. Au pire, laisse les bons, t'as déjà donné ton avis sur ta chaîne et sur le chat, on parle plus de ça, c'est bon, reste tranquille maintenant. Kick de la vocale, salut Jordi Gaming, comment tu vas poto? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Non mais en plus. Il fallait gueuler un bon coup pour que ça se calme. Mais on a beau gueuler, poto, mais c'est tout simplement comme ça. Moi j'ai une chaîne où c'est non raciste. Toutes les personnes qui râlent sont parties. Donc tout simplement, je suis là. C'est pas ça, mais c'était. Il y a eu des rageux, c'est pas Célia. Il y a eu des rageux qui sont venus insulter ton Naruto, je sais pas c'est qui. Il y a eu des personnes qui ont foutu la merde. Voilà, c'est tout. Mais il y en aura tout le temps des personnes comme ça. Sur tous les lives, il y en aura. Défends-moi, vous comprenez pas. Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a foutu la merde, je parle pas de Célia, faut arrêter de parler d'elle, c'est pas elle, c'est... Il y a eu des problèmes, je suis en train de défendre mes arguments que moi j'ai été ban, je suis pas en train de parler des autres, moi je me fous des autres, vous vous défendez vous-même. C'est à part si vous me demandez de l'aide, je serai là, je parle de moi. T'as comment on appelle les gars là? Ouais je sais que c'est un manga mais... Non mais je pensais Naruto c'était quelqu'un qui s'appelait comme ça sur le live. Donc vous, en fait, l'embrouille est partie d'un manga. C'est ça. Bon, les amis, maintenant, je vais vous dire un nouveau truc. Voilà. En fait, si vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre sur le live, ou si vous êtes en conflit juste avec moi, bah vous allez voir la CTS. Alors, c'est tout simplement un nouveau groupe qui vient de sortir. Il s'appelle Frisky, et c'est lui qui prendra votre défense. Il est là pour la défense de tout le monde. C'est un groupe gratuit. Gratuit, hein, il est même pas payant. Bien sûr, il vous fera les honoraires en cas s'il y a un surplus. Mais voilà quoi. Bonne chance à vous. Je plaisante. Si vous avez un problème, je suis là. T'as mis Yo Poto, comment tu vas? Par contre, j'ai pas vu le message de Fruit Gamot. Perso, j'ai pas compris l'embrouille. Il s'est passé quoi? Bah, tout simplement, il a donné son avis. Je lui réponds. Que voilà, quoi. Tout simplement, on peut pas être amis avec tout le monde sur le live. C'est comme ça, poto. C'était juste à cause d'un truc de merde. Tu respectes les règles. Règles du chat. Merci, Nito You. Je sais pas quoi faire. Je quitte le live ou pas. Mister Spider.
Non, je suis pas un garde du corps. Bon, Flick, désolé, j'ai aucune autorité, donc il t'insulte, je suis désolé. Je pensais pas que ça partirait aussi loin. Ben ouais, Marla, pourquoi? Ah ouais, c'est une garde du corps, c'est ça, ok. T'es sérieux, ça fait 20 minutes que je suis là. Je suis désolé, Tammy. Désolé, j'ai pas vu le message, vu que, tu vois, avec tout ce qui se passe, je suis désolé, pas toi. Et Marla, comment tu vas? Mon petit chocolat. C'est bien, mes parents, mes jus. S'il te plaît, Isabeau, mais il faut les bennes. Arrête quoi, c'est bon. Ok. Tom, bienvenue poto que tu sois beau pas. Putain, tous les jours je m'embrouille à cause de Naruto. Reichu, tout ça pour un manga. Exactement, c'est tout ça pour un manga. Girl, bienvenue que tu sois beau pas. Recule-moi, Tralette, s'il te plaît. Ça va bien et toi, Reichu? Mon chouchou, ça va super bien, Marla. Ça va. Vous allez bien? On va tous bien, poto. Tous bien. Maintenant que la petite crise est faite, tu peux aller me coucher. Non, tu restes avec moi. Par contre, je sais pas ce que t'en penses, Magnet. Est-ce que tu penses que ça serait pas mieux de mettre un fond bleu, Magnet? Un fond bleu où? Là, tu sais, une ligne. Carrément, tu sais, à la troisième hauteur. Faire une ligne bleue. Ouais, je vois. Parce que je crois que non, c'est pas question juste de ça, mais c'est que... Ou alors faire le logo, tu vois. C'est respecter les règles. Ah, si tu fais le logo, là, je la trouve parfaite. Mais je sais même plus comment il est fait, le logo. Mais c'est terminé, j'étais juste là pour parler. C'est pas... Ça a monté la voix un petit peu. Vas-y, je t'écoute. J'arrête de jouer, ok. Y'a pas de soucis. Non, mais j'ai préféré parler vocal que parler écrit. Alors, merci Alexia, Chris putain c'est un poète, mais abusé de ouf, je suis le saint poète. Vous êtes gentil, oh, Luton, vous me connaissez, ah, je sais pas, poto. Merci, le vent minecraftien, ok, pas d'insultes, merci Tammy, c'est bien, il y en a une sans frise, préviens, victoire, règle du chat, pas d'insultes, merci Yuyu, qui est Bella, je connais pas d'un homme, le saint poète, ta Discord. Alors, non, j'utilise pas Discord, j'utilise Snap, Insta et Skype, mais j'ai pas Discord, parce que tout simplement, bah j'ai Discord, mais j'y vais jamais. Non, mais j'y vais jamais, ça sert à rien. Moi, oui, je te connais, Tom, sur ma chaîne, la Bella. Yo, Robin, comment tu vas? Moi, oui, je te coco. Alexia. Abla, merci, Freeze Dictateur. Je rigole. Ah, nous avons peut-être un nouveau, nazi. Non, j'ai rien dit. Kim Jong Freeze. Exactement. Nous avons un nouveau coréen dans la bande. Madame Calmé, c'est fini. Vous êtes très gentille. C'est Thibaut. Mais je suis pas abonné. Règle du chat. Merci Yuyu. Mais Yuyu, tu vas pas mettre que les règles du chat toutes les 10 secondes. Bonne nuit, madame. Pas d'insultes, pas de spam, pas de majuscules, pas de demande modo, pas de Naruto. Ce qui serait sympa aussi au passage. Ça éviterait de faire. Quand il y a un conflit, ne t'en mêle pas. Bah, je te pars sur le fait que quand il y a un conflit, il devrait pas y en avoir. Si personne se mêle entre eux, il y aura pas de conflit, donc tu peux pas dire ça. Pas de Naruto, ou là on sera obligé de dire que c'est Ushuaïa nature. Et c'est bien d'être énervé. J'aimerais savoir. Naruto, j'ai pas compris. Enfin, je pensais que c'était un mec sur le live qui s'appelle Ushuaïa. Ouais. Alors Ushuaïa? Oh là là. Juste pour ça. Voilà, juste pour ça, juste pour énerver Célia. Voilà, tout simplement. Juste pour ça, je suis venu sur cette partie. Pour défendre mes opinions, juste pour un choix. Madame, okay, bon, merci de m'avoir soutenu. Je vous aime, je suis pas lesbienne. Ah, on sait pas, c'est bien. Je veux règle des chats, sinon on est grosse embrouille. Et ne pas insulter Naruto, sinon on grosse embrouille. Là, en plus, il y a Yu qui est dingue de Naruto aussi. Vous faites quoi? Bah, moi, j'ai fait la poste. Mais il faut que j'aille voir le logo, parce que là, je sais plus comment il est fait. Tradex, je vais juste te répondre. Alors, en fait, je suis pas en train de défendre. Le jeu de... Écoutez, je suis pas là pour répéter 40 fois. Mais je suis en train de défendre des opinions, il y a une embrouille avec moi, je me défends moi, il n'y a pas c'est un problème avec moi. Si vous voulez que je vous défende, vous, il n'y a pas de soucis. C'est pas mes affaires, moi j'ai eu un problème sur le live, c'est moi qui défends. Merci, j'étais là, de rien, à un moment, j'avoue contre Célia.
Le fils à Hitler, c'est le fils à Hitler, il a mis. Bon, Zartek, je vais donner, tu l'as l'air bien gentil maintenant. T'as entendu ce qu'il a dit, Mister, pour toi? Bon, il parle plus, apparemment. C'est le fils à Hitler, pour toi. Voilà. Et je pourrais pas regarder tes lives pendant une semaine, je pars à l'étranger. Bah, t'as bien raison d'en profiter, Robin. T'as bien, bien raison d'en profiter. Mais je suis best. Merci, Geeker. Merci. Pas les mangas, hein. La Bella, oui. J'ai vu, je peux être en modo, je roll la Bella, au pire, viens, privé, tu me dis. Les réseaux de Réchou, je connais pas les autres. Merci, Tami. Y'a pas quelqu'un qui s'appelle Shinobi? Bah, Snap, Insta et Skype, c'est exactement le même, Tami. Nouvelle règle, ne pas parler de Naruto. Règle du chat. Oui, je suis un nouvel ami. En fait, non, Geeker. Bah, lui aussi, l'ami. Tu lui as dit, oui, mais bon. Mes frères, mais les gens du live, arrêtez de retourner les vestes il y a 10 minutes. Dis tous que je suis le pire modo et que je suis ban, donc parlez bien à Fritz. C'est vrai que Fritz, ça fait un peu allemand quand même. De quoi? Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Fritz. Ah non, mais je suis là pour défendre. Ça fait allemand. Non, Fritz. Non, parce que Mister, il dit que t'es le fils à Hitler. Oui, je suis le fils à Hitler. Donc tu vois, au moins lui tu peux lui répondre. Oui, sauf que Hitler, lui, il n'avait pas de répartie par rapport à moi. Il savait pas parler parce qu'il prenait beaucoup de médicaments. T'es en train de te fourrir. T'as n'importe quoi. Il savait pas parler. Putain, je suis vraiment irrécupérable. Il y a tout le monde. Je suis sans. Putain, j'aime trop la faire les règles. De... Pas insulte. Putain, je suis vraiment incurable et diminué. Freeze, je m'attends, je suis son ami, pété de rien. Demandez règle. Je peux vous dire un truc très important. Vas-y, Jean, fais-toi plaisir. On est plus après. Et aussi, ne pas parler de My Hero Academia. Allo, Ishbin, Frigia, George, Laura. C'était comme ça, il y a eu des débats. On a un commentaire qui parle de cette histoire. Réchou, qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? La Bella, merci pour les 20. La Bella, hashtag la Gérino. Allez, c'est parti. Bah du coup, moi, je suis pressé avec vous demain, War Thunder, si tu veux. Pas demain. Il va falloir laisser le temps après, de le télécharger, non. Vu que j'ai un jeu qui télécharge déjà. Et vu que j'ai une code merde. C'est après. Quoi pour avoir quoi, c'est le fils de Donald Trump. Oh, dis ça encore une fois, je te fais un mur entre ton PC et toi. Ouais, chou, pour avoir quel jeu. Un mur de foot chère entre les Mexicains. Minecraft, tiens. Et Shoe Sky est le fils de Donald Trump. Non mais, mec, je suis arabe. D'accord, je suis arabe, c'est pas possible. Mon pauvre papa, arrêtez. Ah, et Réchou, c'est quand le jeu PlayStation? C'est quand que quoi? C'est quoi le jeu PlayStation? Ah, le jeu PlayStation, bah c'est encore un Naruto. Tiens, pour rentrer dans le délire. Toi, ce qui est désolé, Réchou, je télécharge Défiance sur Xbox One. Bah, t'as bien raison parce qu'il est super bien, Geeker. J'ai envie de t'insulter. Vas-y, hein, fais-toi plaisir, Sky, si tu veux m'insulter. Allez, bah, Réchou, je prends ta défense, hein. Non, j'ai pas besoin de défense, non, t'inquiète. Non, c'est bon. Ouais, tu vas éviter le problème. Moi, je vais éviter le problème, il va être ban dans 10 secondes, donc. Autant éviter les bans, autant éviter les armes nucléaires. Autant parler. Non. Faisons pas comme Donald Trump. Non, Kim Jong-un, il appuie sur le bouton, lui. C'est pas le bouton ban. Ouais, sauf que s'il appuie sur le mauvais bouton, il est toujours... Tu sais que t'as un air de cochon. C'est halam, le cochon. C'est pas grave, Bella, tu lui as dit ta femme... Oui, je lui ai dit, Thibaut. Je lui ai dit. Ah, un frère. C'était pour rire, je suis pas drôle. Tu as demandé... Peut-être un modo sur ta chaîne de... Allez, ça dégage. Ok. T'inquiète. J'ai un problème au cœur, et il me reste que 5 heures. Quelqu'un donne son cœur à moi, mais il est impossible pour le remplacer. Ah. Je disais, je suis caché sous la coupe. Bah, moi, j'ai pas de cœur, alors ça va être compliqué. Oh, désolé, j'ai pas vu la Bella. Je suis désolé, moi, j'ai pas de cœur, poto. On me le dit souvent, ça. Dimitri, salut, Réchou, moi, on part sur le fait que j'avais raison, quoi. Il y a plus de modérateurs que de joueurs. Non, il y a autant, les deux. Non, ce soir, il y en a un paquet, oui, de modos. Ah bon, mélange. Quoi? Mais là, comme toi, Réchou. Comment tu vois, tu vas, Réchou, je vais super bien, Dimitri. Et toi, surtout. J'espère que tu profites de tes vacances. Ouais. Pas de Naruto et pas de DBZ.
Ouais. Ok. Oui, je suis trop excité, je fais du yoga. Ah. Attends, attends, deux secondes, attends. Ah, faut utile. Continue, ça te détendra. En espérant, ça la détendra. Parce que le, là, le sujet était un peu trop tendu quand même. Oui, je baisse des Trump YouTubeurs. Est mort, c'est des hindous qui l'ont tué mort de rire. Pour parler, merci Geeker. Moi va bien, moi être allé en Pologne. En Pologne, c'est cool ça. Moi être content, savoir toi aller Pologne. Je suis le bâtard. Non, c'est cool. Je vais... Moi, qu'est-ce que, ma famille qu'est-ce que et j'aurais pas donné pour retourner un peu en Italie. Dire pourquoi si agent. Elle a dit quoi ta femme? Bah, je sais pas, je sais que tu parles de Richou, mais. J'avais envie de répondre pour pas me sentir seul dans ma vie, ma sentimentale. Ah oui, c'est vrai, la question qui est tabou. Quel âge as-tu, Réchou? J'ai oublié. Quel âge j'ai? Devine. Ouais, attention. Ouais, je pense t'as... Allez, je vais pas être méchant, t'as 38. Non, trop vieux. T'es éliminé. Allez, bye bye. Donc, bien sûr, dire adieu à ma famille et à mes amis, donc voilà. Ah. Non, non, faut pas dire ça, Jean. Y a toujours des donneurs. Et si, quand tu feras du Fortnite, bah, je sais pas. Dis à quoi ta femme ce soir, Yu, si tu veux. Ah ouais, après le live. Il y a beaucoup de problèmes. Tiens, Dimitri, vodka, un bonbon, vodka, t'as quel âge, Fried? Moi, peut-être aller la France 30. Merci, Yu, il a donné la réponse. Attends. Ça va pas. Je suis en train de me balader en carte sur le site. Ah ouais, vodka, et non. Bon, je vous laisse deux minutes, je vais chercher à manger. J'adore les vents, merci, Fried. Tu sais que je crois que la semaine que je voulais. 32, je sais, tu es la seule personne à pouvoir me faire Freeze, tomber. Bon, Freeze, il a 15, 16 ans, je dirais 16 ans, je viens. Allez. Je sais, je dirais 3 ans. C'est ça, 16? Ah oui, j'ai 3 ans, bah oui. T'as 16? Non, non, je rigole. Moi, je t'ai dit, en vrai, je t'ai dit 15 ans. T'as 16? Bon, bah, j'ai 14 ans de plus que toi. Ah! Oh, bon, ça va. Hein, le papy? 32, là. Non, j'ai pas 32. Tu veux. En 30? 30, j'ai pas compté. Ah bah oui, parce que 14 plus 16, ça fait 30, hein, ça fait pas. Attends, sois content déjà pour un arabe, je parle français. On peut pas tout avoir dans ce monde. Arrête de rigoler comme un shintok, toi derrière là. Bon, on a toi, appris t'as... un truc, c'est pas Frise qui va faire votre comptabilité par contre. Hein. Ouais, c'est 12 ans. Voilà, vous allez vous faire voler. Hein. Ouais. J'ai 12 ans, je vais faire 13 ans. Bah, les arabes ils sont forts pour voler, mais pour compter l'argent derrière, il y a plus ah, ça, c'est toi qui l'as dit, hein. C'est pas moi. Hein. Alors là, je n'ai rien dit, moi. Tu m'y mets pas sur ma faute là. J'ai pu jouer avec vous. Jordi, bah de toute façon, Jordi, je ne sais pas parce que je sais pas si je vais pas changer de jeu. Alors. Oui, il y avait là, bonjour, je te laisse, je repasse derrière. Peut-être tout à l'heure. Ça, c'est quoi ton rire? D'accord, Thibaut. Merci Thibaut. Merci, merci pour c'est une bouteille de sélection. Frise, à ton avis, j'ai quel âge? Quel bien? C'est lié 18 ans, Jordi, tout le monde. Il peut jouer avec Richou. Exactement, oui, il peut jouer avec moi, mais après, je sais pas si je vais pas changer de jeu, donc. C'est lié à 18 ans, sérieux, Frise, ou par contre, répond, moi, désolé. Attends, je sais pas. Donc, je vais avoir un truc. Attends, je vais dire un truc. Tu connais Richou, Selecto? Vas-y. Selecto. Tu vas dire comment rien, c'est du Selecto, j'ai compris, vas-y, ferme. Non, mais le Selecto, c'est l'armure de Kim Jong-un. Genre, tu bois ce truc, elle est dans jaune. Arrête de rigoler chelou, toi, derrière. Ouais. Le mec, c'est mon mec, c'est toi, avec les grenades coulantes. T'as 18 ans, hein, c'est bien. Tu veux le jouer à Fortnite? Bah ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, je vais jouer après à Fortnite. Non, non, je joue pas à Fortnite, je sais pas comment tout le monde. Je joue à Fortnite, je vais Ah, mais j'ai trouvé à la main! Du coup, elle est fraîche, Célia. J'ai pas envie de savoir. Vous aimez Russienne? Da, bon. C'est rien, la belle dame. Tu m'apportes bon plus chance, je crois. Non, j'ai 18 ans. Réchou, je peux vous aider pour votre poste. Pour le poste là? Pour celui-là? Ouais, mais je sais pas si j'arrête ou pas, poteau. Donc, rejoins déjà la partie chat si tu veux, Jordi. Dimitri, toi aimé vodka, moi vodka aussi aimé. Bon bah je vais au lit, bonne nuit Richou, bon live. Moi j'aime bien la vodka. C'est dire. Océane, cœur brisé, yo, ça fait plaisir, merci pour ton message Océane. C'est apprécié pour mon vlog. Bonne nuit Angelina. Attends, je récupère les messages parce que je suis en retard. Sur les messages, je me tape pas, j'ai le bar. Océane, je peux jouer avec vous. Viens Jordi, viens en partie chat déjà. Frit, je peux jockey. T'es bon, vraiment... je tiens quand même à préciser, il y a deux minutes, on m'insulte, maintenant on suce. Hein, quoi? J'ai rien dit. Oula. T'inquiète.
Océane, Océane, ton ancien photo. Ok, comment je vous rejoins? Bah, tout simplement, t'as la PlayStation 4 ou pas, poteau? À mon égard, de rien, Julien, et merci. Salut Zartek, Minecraftien. La 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 la. Bon, jusqu'à maintenant, c'est pas trop mal. Genre, mon nez, c'est un créneau. Mon égard. J'ai rien entendu, hein, t'as de la chance. Par contre, on va faire un petit tour de la map au passage. Le temps qu'il m'écrive. Moi, Russiane. Moi, être russe. Ouais, j'ai eu que de la caca dans mon coffre. La Russie. J'ai rien entendu, t'as de la chance, Néga. Oui, j'ai fait PlayStation 4. Et bah, alors, tu vénavites à Réchou 3901, comme sur YouTube. Et je l'accepte, et après tu rejoins la partie chat qui est ouverte. Voilà, tout simplement. Au pire, quand tu vas sur ton profil, il y a marqué. Ouais, sur mon profil, tu auras la partie chat ouverte. Dimitri, ton voilà. Nom de famille, c'est Poliakov. Mais je sais pas comment joindre. Et bah, tu vas sur ma partie chat, et tu mets rejoindre la partie chat. C'est bien, tu vas te. C'est bien, toi, avoir des yeux jolis, toi, te marier avec moi, faire des enfants, chars d'assaut. Fritz, tu parles loin. Réchou, c'est quand je joue avec ta femme. Non, tu joueras jamais avec ma femme, You. C'est joli, là, tu l'as dit. Nadji, t'as gagné un ban. T'as gagné un ban. T'as gagné un ban. Une fois qu'on commence sa fin, non, auto, on va se battre à toi et moi. Et je dis lui de ne pas me dire. Démuter à Fritz. Ah, vas-tu, me démuter. Ah, et puis, il faut que tu le démutes. Je le démute. Bah, Zartek, tu peux parler, hein, il t'a démute. Putain, non. Si, Yu. Les chansons bien. Yu, ta gueule, je m'excuse. Par contre, je veux bien te croire, Dimitri, mais par contre, apprends à écrire Bliette avant de faire la Mécus. Parce que là, mec, ça venait, t'as vu une couverture de troller. Et je vais tout dire à Emily en plus, Yu. Ah, oh mais non, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai là aujourd'hui, mais vous me faites de rien, je sais pas pourquoi. Je disais Fortnite. You, tu dois dire que Itachi est le best. Bah, ça dépend. Ouais. Itachi était. Il est Itachi ou. Non, j'ai rien dit. Elle va m'engueuler. Ah, désolé, Réchou, je dois dormir. Demain, on jouait. Alors. Ok, aujourd'hui, y'a pas de soucis alors. Ben, demain, mais je sais pas quelle heure. Parce que demain, je voudrais bien emmener ma ptiote à la plage. Et puis, je vais l'emmener se baigner un petit peu avec moi. Vu qu'elle a un petit peu peur de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qui d'envoi? Et ben, y a pas de miracle, hein. Je passe en 360p au lieu de 720. C'est tout. Je suis pas sur ça. Ici, on va jouer sur ça. Yo, on va jouer sur ça. Non, 362, en vrai, c'est vrai. Réchou, ferme ta gueule. Parle-lui du Itachi. Oh, Célia, il est à chier, Itachi. On commence pas parce que là, je suis pas. Il va comment la base? Alors, Réchou, quand ta femme est dispo, elle est pas dispo pour toi. Derrière mon écran, je suis comme chien. En train de rigoler, attends, je te remute, puis je te démute. Ok, comme d'hab, le soir, à tes lives. Ouais, bah, plus ce soir. Plus ce soir, Jordi. Mais ou alors, en fin d'après-midi, c'est ça. Il y avait du béton. Il était bien dans le béton, on était tout rond, il venait. Ouais, ça va, Spidey. Oh, ça fait plaisir de te voir. T'es en train de m'insulter, toi? Comment tu vas? Okay, non, pour Fortnite, pour toi. Donc, la meilleure moyen. Depuis, ça va? Il n'y a pas de souci, je te soulève. En deux secondes, je lève mon Y avec mon T-Max, avec Joule à l'arrière, je t'écrase avec mon pied. je vais pas te casser, Fritz, mais à mon avis, la seule chose que tu arrives à lever, c'est le bâton entre tes jambes. À part ça, voilà quoi. Voilà. Allez, bonne journée à toi, Fritz. Hein. Merci. Mec, son vieux rire, on dirait TK78 euros. Il y a un âne avec nous. Excusez-nous. Je savais pas qu'on avait des animaux ici. J'ai pas comme ça. Bon, vrai, c'est. Non. Ah oui, ouais, c'est une vidéo là sur Skype. Ah là là, mort de rire. Dites-moi. C'est bien, pourquoi tu mets des mages?
Oh non, la pompette, tu l'as. Oh, c'est bien. Oh, tu as refait ta bouche. Ouais, il y a même des animaux avec moi. Oh, les animaux. What, c'est quoi ce bordel? C'est bah, on est dans une ferme, en fait. Alors, je vous présente, et on a le cochon Zartek. On a Fritz, le mouton. On a même un âne. On a même un âne. Non, j'ai pas visé ça. Tu peux pas dire ça, j'ai pas visé ça. Non, tu m'as laissé. Ils sont là. Okay. Non, mais c'est bon. GG, tu m'invites au vocal. Bah, rejoins GG. Attendez, ça va repartir en bagarre, on m'a re-insulté. Ça va repartir. Bah, le troisième qui est dans la vocal. Ça va repartir. Qui c'est qui m'a insulté? Geeker Fortnite, allez, c'est reparti pour un coup. Bah, non. Ah, attention. Eh, Réchou, y'a des mecs qui insultent sur ton lap, là, dépêche de regarder. Y'a personne qui insulte, ah, ok. Désolé, toi aussi, t'es gentil, Réchou. T'as une ferme avec toi. Oui, mais t'as pas oui. J'ai toute une ferme avec moi. J'ai ta mère. Ah, ils m'ont poigné. Zartek. Mais là, en veilleuse, merci. Ah, ouais, je vais te taper sur le. Mais Zartek, on l'entend pas, c'est normal. Sur le bord de mon bureau, ça fait mal. C'est bien, va regarder bien. Alors, bordel de merde, je m'ennuie. Ah. Bah, tu devrais venir sur le live, bah, sur le chat, Célia. On s'ennuie pas, hein. Je te dis direct. Ah, c'est ça que j'avais pas fait à Minecraft, c'est une ferme. Tiens, voilà, j'ai oublié de la faire en plus. En vrai, Fritz, t'as pris la confiance. C'est bien, ça va. La ferme du bon couille. Ok. C'est ça, je suis chaude. Là, tu veux qu'on se batte, bâtard. C'est faux. C'est bien, chute. Tu veux un câlin? Non, merci. Je vais te faire venir une amie. Je peux dire un truc. Lui en cours, il rigole, il y a toute la classe qui se met à rire. T'as vu son vieux rire là? Pas cocher, attends, t'as vu comment il rigole? À moi ou à l'autre? L'autre là, t'as vu sourire? Mec, on dirait une bécane qui démarre. On dirait une bécane, mais retiens, mec, on dirait une bécane qui a pas de vide. T'es chaud, Réchou, je pars. Tu pars? Comment ça, tu pars? Réchou, je te donne une idée. Vas-y, il sortient. Prise normale, t'en as pas de bite, ton discours des autres, non, car je suis fragile, je te fous un punch comme à la. Donnez-lui de la ventoline. J'ai pas de discours, j'ai pas de discours, j'ai un discours, mais j'utilise pas en fait. Mais tu peux avoir me parler si tu veux sur Skype, sur Insta, sur Snap. Oh les gars, je vais ban, je vais vous ban. Pourquoi? Ah bah parce que j'entends plus, je m'entends plus moi-même et puis ceux qui sont sur le live. Moi je suis pour rien moi. Oh, calmez-vous là, baissez la confiance. Moi là je suis pour rien, oui. Non, ne me donne pas. Ah bah alors baisse la volume alors. Quoi? Oui, je parle pas, c'est Zartek, je t'ai dit. Je suis pété de rire. C'est bien, c'était pas une fille, c'est Sios, pourquoi tu dis ça? Réchou les modos, en plus, le droit d'insulter. Ils plus le droit d'insulter. C'est pas qu'ils ont plus le droit d'insulter, ils ont jamais eu le droit déjà. Camille. Mais tout simplement, après, si ça part trop en live, je banne maintenant, je m'embête plus. De quoi tu vas me banner? C'est une ferme avec des villageois dans des cages. Non, mais Réchou. Attends, dans des cages et tu mets un nom aux villageois. Tu mets Freeze the cochon. Oh le bâtard. Je te promets, si je vois sur le live que t'as fait ça, je vais tous les jours venir sur tes parties vocales et je vais faire des débats pendant 5h30. C'est ce que tu veux? On va mettre Freeze the cochon. On mettra Zarteklan. Y'a plus qui répond. T'es une fille ou pas, Célia, Océane? Ils sont graves. Océane.
Océane la plus belle, je rigole. Coucou, je suis un ami de Océane. Mélanie, bienvenue, que tu sois à bout. J'espère non, que c'est tu as bien, l'air prise. T'es un nuage comme moi. Zézios, oui, je suis une fille, pas d'insulte. Merci pour les règles, s'il te plaît. Célia, t'es prête. Merci, merci. Freeze, mais pas devant la réponse, tu veux qu'on... C'est moi, Freeze, le cocon. Compte de bad. Oh, putain et de si sa mère. Si tu veux, je t'offre un bécherel. Non, non, c'est interdit, le putain de sa mère, Sky. Mais pas devant, réponds, tu veux qu'on se batte ou pas? Non, non, on se bat pas. Bonsoir, Mélanie, non, 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 salut, KF5, comment tu vas, KF5, qu'est-ce que tu racontes de beau? Pas d'insulte, t'as miré, Réchou, tes potes ont oublié de prendre leurs médicaments. Ah, il faut que vous alliez prendre vos médicaments. Il y a Mahmoud et Jean David, ils sont dans une voiture qui conduit. Les deux? La police! N'importe quoi. Salut mais la Béda, Sky, je vais te démonter. Tu sais pas la force que j'ai. Ça va, KF5, salut, Minecraftien, je réchoue, moi. Je suis le Shingarn Freeze, je te fais savoir qu'on lècherait, c'est pour la conjugaison de ça Bam. Va, t'as rigolé. Qu'un... Oui, et toi la Béda, Célia, parle pas avec Sky. Océane, un conseil, parle pas avec. Ça, c'est un très bon conseil, Océane. Ah bon? C'est le dragueur, Sky. Sky, parle c'est le chaud lapin. Quel Sky là? Sky, c'est le chaud lapin. Bah, les deux Sky sont des chauds lapins. Y a pas de donc Sky, voilà, là. Je te conseille qui de parler avec aucun des deux. Non, tu as Sky chaud. Le nuage et Free Sky. Voilà. Captain, comment tu vas, mon pote? Mais moi, je joue pas en fait. Salut, je suis en train de me taper. Ah, comment tu vas, poto? Ça va, bon, ça va super bien, poto. Super, super bien. Mais je vous dis à Fritz, c'est le cochon. Attends, je te demande. Vraiment, de RK, Mélanie, fais gaffe, Sky, il y a une camionnette rose, il va te kidnapper. Océane, il sort avec Alexia. Perso, moi tranquille, viens te battre. Si t'es une femme, c'est lié. Ok, Mordoria. Salut, Réchou, mon chou. Comment tu vas, Lilou, mon chou? Réchou, mon chou. Punaise, ça rime, Réchou, mon chou. Lilou, mon chou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Moi, y'a quoi qui rime avec Freeze? Tu peux parler avec moi tranquillement, il est pas là, Zartek, et en plus, on s'en fout. Mais toi, je vais te mettre une gifle, tu vas éternuer. Ah, c'est ça? Achou! Pardon. T'es drôle, en plus, c'est qu'il est drôle. Freeze, il se fait Freeze. Aha, alors c'est ça, je veux pas me battre, je suis une fragile, dis salut Lilou, Lilou t'es plus modo, salut Minecraftien, lol c'est Lian, non Minecraftien, Freeze, il se fait Freeze, Mélanie fait vraiment gaffe, salut Lilou, ça va. Oh non, je vais bien et toi Réchou mon chou, bah ça va super, ça va oui, super. Réchou mon chou là, me stresse. Je stresse, après il va lui mettre une gifle, elle me stresse elle. T'es jalouse? T'es jalouse, oh. T'es moi jaloux. J'aurais aimé quelqu'un, tu vois, il n'y a personne qui m'aime, moi. Pourquoi vous avez tout d'amour, moi? Si, si c'est bien, elle est amoureuse de toi. Mais comment ça, elle est amoureuse de moi? Depuis tout à l'heure, elle est amoureuse de toi. Elle a des RTV quelque part. Eh, rendez-vous au tacos. J'ai fait bien avec toi, t'inquiète, Zartek, c'est le geeker, j'ai bien avec toi. Ouais, putain, mon mal de cou est revenu. Ça me j'ai mal, je souffre. Allez, je vais me friser les cheveux. N'importe quoi, t'as mis. Qu'est-ce qu'elle a mis? Il a mis, il va se friser les cheveux. Mais je vais te mettre un uppercut tellement violent, t'auras tes règles de ton nez. Bien joué, Tami, c'était bien trouvé. Tu comprends ça? Mais Mélanie, ouais, je m'inquiète, tu devrais plutôt lui dire que c'était bien trouvé. Arrêtez, je suis gentil, c'est lié, on se donne une biche nette, tu tombes. Pourquoi c'est lié, c'est de Freeze, c'est Zach à cause de rien, la Bella. Non, méchant Sky, je te mets une biche nette, tu t'envoles à de Paris en Chine. Venez des conseils, s'il te plaît, j'ai mal au cou, bordel. Ah. Ouais, non, allonge-toi. On veut pas savoir, je pense. Je prends soin des filles. T'as remarqué, je prends soin des filles. Tu t'arranges, je te fais un massage thaïlandais dans 2 minutes, j'arrive, je crois. Non, 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 elle va pas s'allonger. Freeze. Et à mon avis, elle veut même pas de massage. Ah, ok, bah c'est bon, bah attends, je vais aller voir mon chat, je vais lui faire des câlins. Si personne veut de moi, ça c'est ok, y'a pas de soucis. Je vais faire des câlins. Ah, bah après, t'es ton délire, hein, si tu peux faire ton chat. Chacun son délire, toi. Pour la bouffe, tranquille, gros, même ma meuf, je serais pas autant sale que mon chat. Hein, quoi, non, rien, tranquille. Le pauvre chat, je le plains quand même.
Non, mais skin. Mais je te dis, tu m'as fait confiance, celui qui dit que tu m'aimes. Alors, non, méchant Sky, c'est sûr, je te mets une bijou de main. T'es fragile, que tu m'as fait de cousine, c'est bien fragile. Et rester au freezer. Tu connais Freezer dans. Comment on fait c'est quoi le manga, c'est, Dragon Ball. Ah, tu nous as servi, c'est gentil. Ouais, Freezer dans Dragon Ball. Lui, il est parti. Bah voilà. Ouais, bah je te soulève comme lui. Il a dit qu'il revenait peut-être. Bizarre-tech, il est là. Hein. Moi, j'aime pas les biflettes, mais Marla, elle aime non, bien. Non, mais c'est en fait la position. Moi, j'ai pas envie de t'avoir prise. Comment t'as pris la confiance? Tu me fais peur, toi. T'es ultra détiède. La Bella, t'es là. Réchou, je trouve pas mon freezer. Réchou, je trouve pas mon freezer. Il est à côté de moi, ton freezer. Il est à côté de moi, ton freezer. Tu le veux à point? Ouais, je suis en train de chauffer là. C'est Liane, me chauffe. C'est la première fois qu'il est chaud. Mais j'ai rien dit, on avait la télé, ouais, je suis mort. Oui, que le chinois, c'est fragile comme Célia, je prends une pichenette et tu fais le tour de la terre. D'accord, toi d'être heureux, parle mal, de Marla, je te nie, t'as compris. Attends, je peux dire un truc, mais j'ai une question, depuis quand tu soulèves un coup? Attends, réchoue deux secondes. Ça va, alors la Vela, Zartek, t'es plus avec Mélina, plus un labo. Merci, Mélanie. Et bienvenue dans la famille. Hein. Non, toi, je te laisse même plus parler. Non, je te laisse plus parler, gars. Laisse tomber. Hein. Ça, c'est vrai, j'ai eu tellement de débit tout à l'heure, je peux plus parler maintenant. Exactement. T'as dépassé ton forfait. Il faudra que tu reviennes plus tard. Je l'ai lâché en une minute, trop c'est parfait. Non, arrête de penser, toi, derrière, là. Ouais, je voulais dire. Comment il s'appelle le mec qui met des pichenettes à tu veux à rien dire. Non mais tu veux rien dire. Tu parles mais j'en suis sûr, tu t'appelles Mahmoud, t'as 14 ans gros, tu pèses 120 kilos, quand tu vas au collège, il y a tout le monde qui te jette des œufs gros. Quand tu vas au collège, c'est le trampoline à la salle de sport. Et ton pote il s'appelle Jean. Écoute, ton pote il s'appelle Jean-Baptiste, il est maigre, il fait le squelette en salle des SVT. Pourquoi tu parles avec nous? Christian, se bat. Non moi je bois pas les meufs. Je bats les œufs moi. Alors, bien, merci, toi, Minecraft. En fait, ok, je sais pas quoi dire, mais ta gueule, c'est ma seule repartie. Désolé. Bien, toi, Minecraft, c'est pourquoi, ma quoi de gay, petite venue, acheter le nouveau freezer. Freeze des freezes. Ça pourrait faire une pub, poteau. Freeze des freezes. Bien, ouais. Freeze des freezes avec un débit de parole en même pas une minute trente. Je t'entends pas, putain, tu parles plus pas. Avec un débit de parole. Ouais, j'aime bien. Ça va. Ah ouais, le truc c'est un forfait quoi. J'ai quoi Freeze la prise. Ah mais putain, mais t'es drôle, toi, tu devrais faire humoriste. J'ai pas de téléphone. Il a pas de télé. Il a un Nokia 3310, il l'a lancé sur Jean Mahmoud, il s'est cassé le crâne. Non, j'ai pas de téléphone. Qui me raconte? J'ai pas de téléphone. J'ai pas un truc super simple. On dirait une 600 qui est en train de tourner. On dirait une moto qui est en train de tourner. Là, je t'entends même pas qu'il y a tellement qui parle. Freeze. Ta gueule. Ouais, t'es sur Android. Arrête de rigoler. Arrête de rigoler. Je suis désolé, mais je t'entends pas bien vu que les autres ils parlent tellement fort. Mais il parle pas, l'autre, il rigole comme une bécane. On dirait un 500 cm cube, gros. Arrête de rire, putain. Hey, Richou, t'as des abonnés chelous, toi aussi. J'en suis sûr, il travaille dans un décathlon, rayon vélo, lui aussi, là. Il est. C'est du pédale. Oh, Freeze, tu parles trop, j'arrive pas à l'entendre. Bah, c'est normal. Bon, je suis Freeze. Tu vois les pchits pour les mythes, toi. Ouais. Il m'a tué, gros. Pchit. Grave, tu vas pas me saouler longtemps. Freeze la prise. Freeze la multiprise, car il se fait prendre de tous les côtés. Zartek redevenu PTT, Mander Celia, Freeze la multiprise car elle se fait prendre de tous les côtés. Freeze t'es chaud, rejeté en train de me friser. Freeze le string, ouais, ok. Toi tu t'es trouvé des surnoms pour toi, à mon avis demain t'as une chaîne YouTube avec 5000 abonnés. Hein. Je te le dis direct. Qui? Tu viendras me remercier. Toi?
Ah ouais. Eh, c'est bien, si tu veux clash, y'a pas de soucis, mais mon rap il sera tellement rapide que ça va te défriser. Oh putain. Voilà, non. En fait, ce que ça va défriser, c'est ta tête. Pardon. Mais attends, je vais te dévisser comme un tournevis, hein. Pourquoi tu parles? Ok, eh, c'est bien. Tu sais que t'as le nom de ma vieille prof de français, là, en 2003? Ton vieux nom, là. Mec, c'est bien, c'est pas le genre de meuf qui travaille dans le rayon supermarché, là, avec la petite étiquette sur son truc. Célia Ishisha. Ishiha. Tu vois? Avec la petite étiquette, là. Rayon supermarché Leclerc dans le rayon. Mais pourquoi tu rappelles sur mes blagues? Déjà, sont pas drôles, mes insultes. Toi, tu rajoutes ta vieille voix de bécane, là. J'en suis sûr, mec, quand tu te réveilles le matin, tu fais un bruit. Allô? Fris, t'es chaud, t'es en train de friser, Fris Instinct, je sais pas, j'en pleure là. Fris, tiens, je t'éclate, Fris, je suis trop forte, Fris, la multiprise, alors tu boites pas trop. Mais c'est bien, tu sais, tu vas boiter après mon passage. Toi, tellement que tu vas boiter, tu vas aller à la pharmacie, pas pour prendre des pilules du lendemain, mais pour prendre une putain de tapis roulant, de fauteuil, je sais pas comment on dit en français, fauteuil roulant. D'accord. Oui, gros. S'il vous plaît, les amis, venez l'aider. Bah, tu peux tuer ma famille, hein. Elle est déjà morte, tu peux y aller. Mais par contre, moi, ça va être compliqué. Ils sont tous morts avec son rire, là, il a pollué toute la planète. Et puis, il n'y a plus d'air respirable. Putain, j'en peux pas. Oh, mec, okay. Oh, dis à ton gros, pote de faire le gnon, 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 gnon. Vas-y. Eh, hey, Zartek, 3, 2, 1. Non, c'est pas drôle. Mec, on dirait un putain de chat asthmatique qui essaie de se moucher, là. Par contre, pour tous ceux qui sont sur le live, je vais m'excuser auprès de tous ceux qui sont là-dessus, parce que tout simplement, il y a une petite chose qu'il faut que vous sachiez. C'est que tout simplement, aujourd'hui, j'ai des cassos. Mais c'est pas de ma faute. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. À côté. Bah quoi, c'est pas de ma faute. À côté, ils se sont tous enfuis en fait. Ils se sont tous enfuis de chez eux, de l'asile psychiatrique qui était juste à côté. Je les ai tous ce soir et je suis vraiment, mais vraiment désolé. Encore pardon à tout le monde. Eh, fou, ça fait zizir. Moi, quand je suis sorti de l'asile, il y a même eu des FMTV qui m'ont fumé. T'es pas mieux du clan, il te voit, je vais sortir mon Sharingan, je vais te tuer. Toi, ta famille, ok. En gros, il y avait Lidl, ils me proposent n'importe quoi. Non, je comprends pas avec le Naruto. T'es pas français, Freeze, bah je vais te tuer, toi, car tu parles mal du clan Chihuahua. Est-ce que tu vas friser? Marla. Je quitte la partie vocale alors. Aussi, là, salut Mich, Freeze, mais j'abandonne pour le clash, tu vas m'éclater en clash. Rosesius, je sais déjà pas parler français. Ils sortent de l'hôpital psychiatrique. Exactement, ils sortent de l'hôpital psychiatrique et là je peux rien faire, photo. Franchement. Venez me sauver! Ah ouais, merci. S'il vous plaît! C'est bien, c'est marabout. Tout le monde s'en fout. C'est satanique dans sa chambre. Genre, voilà la robe de Kenny. C'est bien, tu vois, je rigole. Freeze, tu parles mieux français que tout le monde sur le live. Zartek, ferme ta gueule. C'est bien, t'es une marabout. Merci, Freeze, mais prends pas la confiance. Allô, t'es une fille et t'es pas frisée. Non, mais je parle mieux que lui, je parle. Fais attention, mec, oublie pas, je suis arabe, je vais te voler dans quelques minutes. T'as même pas le temps de voir, je suis déjà chez toi, derrière toi, là, je te vole. Oh là je suis même là derrière là. Attends, ta tête, je suis derrière toi. Et pourquoi tu critiques comme ça les Turcs et tout ça? Mais je sais pas. Il voulait être français, mais son rêve ne s'est pas réalisé. Tu dis que je suis arabe, alors. Je veux les papiers. Ça s'appelle du racisme. Allez, ferme-la, Moïse, ferme-la, vas-y, ferme-la. Mais non, mais c'est bien, marie-toi avec moi, comme ça j'ai les papiers, je te quitte au bout de deux jours, s'il te plaît. Merde, tu n'as pas de bien. Sérieux?
Non, non, je la quitte pas, c'est bon, tranquille. Je reste fidèle, comme les Sénégalais, je reste fidèle. J'ai ma soeur qui dit que... Mais ta soeur de quoi, gros? Déjà, toi, t'as un rire de satanique. Gros, ta soeur, elle a ses règles tous les jours. J'en suis sûr, elle... Mec, quand elle va aux toilettes, non, non, je veux pas savoir ce qu'elle fait. Alors, moi, je parle mieux, lui, je parle. Et calme-toi, testasso. Testato. J'ai pas compris, j'ai pas reconnu ce que je vous appelle les pimpons morts de rire. Ouais, mais même eux, ils peuvent rien faire pour toi. Ça fait 3 fois que je les ai au téléphone déjà. Je suis ultra nul en clash, sale voleur. Ouais, les Arabes sont tous des voleurs. Oh, donc, ils ont volé tes tarés partis. Les Arabes sont tous des voleurs. Ou Freeze, mais toi t'es le genre de mec à boire les règles de ta meuf. Moi je dis, on n'insulte pas les papas. T'inquiète. J'ai dit ton père c'est un arabe. Il t'a l'âge genre tes papas. Il a volé toutes jamais, les étoiles ouais. Ciel, il a volé toutes les roues. Non, mon père elle est français, ça va. Ma mère elle a fait la technique de tous les arabes, elle a été en France pour se marier, pour avoir les papiers. Chut, dans ta bouche. Ah ouais, non, mais, en fait, non, mais si tu fais ça derrière tes parents... Je vais dire un truc, je suis de une, je suis pas arabe, je suis kabyle. Donc c'est pour ça que je parle français. De quoi t'es habile? Ouais, c'est normal, tout le monde est habile. Moi je suis français, mais je suis né en France. Mais qu'est-ce que tu parles de kabyle, gros? Tu viens du Maroc, qu'est-ce que tu parles de kabyle? Qu'est-ce que tu dis? Tu viens d'où? Tu viens d'où? T'es habile? T'es habile de quoi? De tes mains? Non. Putain, j'entends pas, je bug trop. D'accord, il a pas compris. Tu connais Salon de Provence? Non, moi je connais pas Asma, t'as vu? Putain, je m'agrandis. Oh, t'inquiète, toi, t'es où, les horreurs? J'ai envie de dire ça, s'il te plaît, ferme-la. J'ai plus de batterie sur l'autre, j'ai 23%. J'ai 4 contre échoues. Ah, c'est 4 contre échoues. Ok, ok, ok. Ah bah, t'as un an de moins que moi, t'as un an de moins que moi, et t'as la... Bon, attends, juste un truc à dire. T'es né en 2003, gros, tu parles comme ma petite sœur. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles, toi? Mais oui, mais mec, t'as la voix aiguë, t'as perdu tes couilles à 9 ans, gros. Pourquoi? Gros, en 2003, j'avais déjà un travail. Toi, tu fais quoi? Tu joues à Bro Walla? Non, c'est Brolala. C'est Brolala. Ah, il connaît lui, il connaît. Brolala. Fris, toi, ça se voit pas beaucoup. Non, mais. Laisse. Ouais. Merci, maman. Non, il est juste de son engin. Il est juste de son engin. Non, c'est même pas sûr, ça. Voilà. Un Fris, toi, ça se voit, t'as beaucoup de mal à la gorge, pour des raisons qu'on connaît. C'est ça, c'est bien. Mais Fris, il a pas mal à la gorge, mais au contraire, il parle beaucoup trop, donc à mon avis... Non, c'est pour ça que j'ai mal. À mon avis... On se demandait pourquoi en même temps. À mon avis, il avale beaucoup plutôt. Mais moi, je dis ça, je dis rien. J'avale la pile comme j'avale ta... Pardon. Bah, je fais peut-être des gorges profondes, mais je mytho pas sur mon âge. Oh là là. Tu fais des gorges profondes, mais tu mytho pas sur ton âge. Mais je mytho pas pour mon âge. Mais à qui tu dis ça? C'est juste mon père qui a mis l'adresse mail. Je parle pas à toi, Réchou. Je parle à quelqu'un, il va se reconnaître. Oui, à Célia. Tu parles à Célia, exactement. Mais elle a pas menti sur son âge. Que le concours se clash continue. Sur glace. Les Turcs, c'est pas des Arabes, exactement. Freeze, moi je mens sur mon âge. Ah, il a quitté. Il a pas dit les Turcs, c'est pas des Arabes, mais il a quitté. What the fuck? Ok, il a quitté. La maman lui a dit d'aller au lit. Fallait pas faire ça, c'est méchant. C'est pas moi, j'ai lu le message que c'est sur le chat. Que ta mie a écrit. J'ai lu le message. Freeze, moi je mens sur mon âge, meuf. Freeze, oh, meuf répond. Maintenant il a quitté. Il a rage quitte. Pourquoi il a arrêté? Il a rage quitte. Marla est morte de rire. Derrière cette personne qui s'appelle Fritz se cachait un agréable enfant. Où sa maman lui a dit d'aller où? Allez, c'est des couilles. Sérieux? Bah, je pense.
Alors, bah, toi, on pas, s'en fout. Tu l'as dit, les Turcs, c'est pas grave. Je crois qu'il a kiffé. Son nom. Je sais pas que c'est. Toi, on s'en fout. Bah, attends, je vais te dire s'il est non, encore on s'en fout en ligne. Il m'accepte en ami. Il m'accepte en ami. Son rire, c'est un avion. Son rire, c'est un avion. Ah. Ouh, bah, allez, on va voir. Rien. Holy freeze. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Codemar. Je vais te dire, non, il a Par contre, les amis, j'ai un truc à vous demander. Je voudrais savoir qui est un peu nourrice. Nourrice. Ouais, qui s'occuperait des enfants. Non, parce que là, il faut aller border Freeze. C'est pour ça que je demande. T'es d'accord, Vartek? C'est cool, merci, poto. De quoi, je suis d'accord. D'aller border Freeze. Non, lire une histoire. Ça te plairait pas? Ouais. Non, c'est grave du cœur, le rire dérapage de Zartek. J'ai 16 ans. Rolabella, moi tous les âges. Rolabella, demande à Célia. Moi, Réchou, je suis nounou. Moi, je suis nounou. Xavier, on se connaît. C'est une pro. Ah là 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 là. Au moins, on s'est bien marré ce soir. Pour l'avouer. Ah franchement moi c'était le meilleur soir avec toi que j'ai jamais passé. Mais en fait, Freeze vous pouvez l'appeler Flash aussi. Hein. Il est plus rapide que Flash à disparaître. Oh là là. C'est quoi c'est Flash c'est Flash du Queen. C'est ça que t'as dit il s'appelle Flash du Queen. Flash. Oh la merde, c'est même Cécius, oui, FSG, Rogeeker, ah ok Cécius, remarque là, n'importe quoi, ah au moins il nous a fait rire lui ce soir, j'ai envie de dire au suivant, est-ce qu'il y en a un autre qui veut venir nous faire rire un petit peu, par contre je sais pas quoi faire de ce côté, j'ai encore pas d'idée. Je fais un entrepôt d'un côté. Je pense un très grand entrepôt. Réchou, c'est quand tu viens sur Fortnite, please. Ouais, je sais, je suis ton chou, Zartek, mais ne le dis pas devant tout le monde. Merci, Zartek. Non, Xavier, j'ai rien compris. Réchou, t'arrêtes le live 5h du mat. Ah, ça peut se faire, 5h du mat. Ça peut se faire, hein, s'il y a du monde. Ah, Réchou. Faut pas le dire, mais... faut pas trop qu'on casse le secret longtemps parce que t'es mon amour, je suis ton amour. Non, mais de toute façon, je vais arrêter le live sur Minecraft et je vais le reprendre sur Fortnite en même temps que la boutique elle va être là. Donc ça va être nickel. Ah, ça me dégoûte. Oh, c'est dégueulasse. Comme ça, ceux qui veulent suivre, ils peuvent suivre. Une fois, je suis pas drôle, moi. Oui, 5h, bref, j'y vais, bye. Marla, tu t'en vas. Merci, c'est bien la bête. Dites merci car c'est grâce à moi que cette meuf Freeze est venue en vocal. Ah, ah bon? Ah bah alors je te remercie pas. Bye Marlin, bonne nuit. tout à l'heure tout le monde a insulté Freeze à part moi et quelques personnes. Et maintenant tout le monde l'aime bien. Donc maintenant il faut connaître la personne avant de la critiquer. Et Sky, on n'a pas critiqué hein. On donne juste une opinion. Bye tout le monde. Pas de Naruto, merci Sky, grâce à moi, car j'ai dit de plus insulter. Bah t'es pas gentil Marla, tu me laisses tomber, tu me fais même pas un bisou. Fortnite Epic Game. À plus Marla, bonne soirée, bonne nuit Marla. Ah ouais, je suis normal que tu fais pas de bisous. C'est sûr que ta femme va devenir jalouse. Mais non, elle est pas jalouse ma femme. Mais je rigole. Elle est pas jalouse du tout. Alors, Zartek Attack Nyonyon, à plus Marla, merci Abela. Il y avait quoi comme nouveau truc Zartek sur Fortnite tout à l'heure? De quoi? On avait eu quoi comme nouveau perso, nouveau machin? On n'a rien eu à... Le nouveau perso qui va sortir? Non, à Fortnite, bah, déjà... hier. Hier, il y avait le... Ah, hier, il y a rien qui est sorti. Ah, laisse-moi parler. Arrêtez de vous battre. J'ai demandé à Zartek. Zartek va dire répondre.
En gros, il y a juste, il y a aucun personnage qui est sorti. C'était avant-hier, il y a le requin qui est sorti. Avec ouais, le requin, j'ai vu. Et puis, il y a juste une danse qui est sortie, c'est la danse pêche. C'est tout. Elle est bien, elle est nulle. Elle est bof, franchement. Ouais, elle est bof, ok. Et je t'appelle que Marla a 13 ans, je sais pas combien sale pédophile de réchaud. Mais c'est pas parce que je veux qu'elle me fasse un bisou que je suis pédophile, Célia. N'importe quoi, toi. Et puis... Bon, à part Célia, t'es jalouse. T'as 18 ans, tu me fais un bisou, toi. Sur la fesse gauche. D'un Marla, ça tu seras pas jaloux. Raji, bienvenue pour toi, que tu sois beau ou pas. Salut, Raji. Oui, mais c'est juste que suceur, tout simplement, Célia. Sky, tu rages un peu. Sky, toi aussi, tu suces. Ben, je suis crevé. Ok, ok. Ah. Bah, plus de cieux, prends soin de toi, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Minecraft tient à bon qui. Ouais. La boutique est dans 40 secondes. Ouais, bah, je vais y aller. Bah, les amis, on se retrouve sur Fortnite pour ceux qui veulent suivre. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit à demain. On va sur Fortnite? Donc voilà, pour tous ceux qui veulent me suivre, ouais. C'est du Fortnite juste après. Voilà, et on va voir la boutique ensemble. Alors, c'est assez chiant, c'est pas parti, faut invoquer Freeze, lol. C'était Richou, allez tchuss. Allez.